Un nouvel adversaire incroyable. Donc, jeu gratuit, je vous rappelle le principe, la gratuité. L'objectif sera de monter rang 5, parce que plus que rang 5, ce sera impossible. Uniquement avec 4 heures de jeu par semaine, une émission de 4 heures, je fais les quêtes à côté. Et on ne met pas une seule thune, bien entendu. Parce qu'on est un fou, on ne met pas une seule thune. Parce qu'on est comme ça. Et j'ai vaincu la machine à café. Ah, ouh. Ah ouais, ouh, parfait. Ah mon dieu, un écumeur. Attendez, c'est une carte qui n'existe pas, c'est fou. Une, deux, un. Bon, allez. Oh là là, merci. Plitono07 pour le sub. Merci beaucoup. Des gros dialogues. C'est tellement chiant à speedrunner, ce truc. L'ardeur, l'ordure, bien sûr. La seule fois où nous combattrons l'ardeur. La seule fois où on va voir l'ardeur. Tout le temps. La maxifolie. Ah mon dieu. Oh, ce tutoriel, que vais-je pouvoir faire? Exactement là où je le voulais. Allez. Et on fait le... Oh mon dieu, trade, on a réussi. Bravo. On a réussi à faire le trade, on est un thug. On est un thug. Oh là, merci Zgouki, le sub également, Lutuch Prime, la folie incroyable. Merci beaucoup Zgouki. Passer en 500p. Alors voilà, pourquoi non, je dis le but c'est de monter tranquillement, voir combien de temps il nous faut. Pour passer le rang 5 sans mettre d'argent et en ne jouant que 4 heures par semaine. Parce que monter rang 5 sans payer, je vais pas te mentir, monter rang 5 sans payer ça me prend une semaine. En spammant le jeu ça me prend une semaine, mais ce n'est jamais ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie en fait, quelqu'un qui joue pas beaucoup de temps Hearthstone, il n'a pas le temps de jouer beaucoup de temps Hearthstone. Et ah vache, même dans le... Même là il est cancer l'ardeur. Ah j'ai pas dit mot, t'as encore les salauds. Et même et du coup dans la vraie vie en fait un mec qui joue lambda et en fait il a pas 50 heures de temps à mettre personne par semaine. Du coup c'est de voir combien de temps ça prend. Oh là là, j'ai débloqué un clôture d'arcane. Oh mon dieu, il y a 6 boss à faire et je dois vaincre. Oh Milouz, tempête de mana. Coucou Père Chapi. Oh. Wow, Milouz. Milouz, Milouz. Hop là. Oui. Il sent 1000 bêtes de mana. Oh là là, incroyable, le lapin perdu. Pourra-t-on être ami avec Jean gratuit? On peut être... Je pense qu'on peut... Après, le truc, c'est que... Je ne sais pas encore comment va être Jean gratuit. Je ne sais pas encore comment être Jean gratuit pour en fait savoir est-ce qu'il ne doit trouver ses ennemis que in-game en le rencontrant. Parce qu'après, en fait, c'est un peu de la triche. Pour les quêtes où tu as 80 gold si tu joues contre un adversaire. Ou pour spectate les gens. Donc je pense pour au début, le temps que j'en gratuit et quelques amis in-game. C'est quoi la différence du Gwent entre la version PC, PS4 et PC? Zéro version. Zéro différence. J'ai récupéré mon mana. Arrêtez de m'attaquer! Alors, cette animation, regardez, est-ce que vous avez cette animation? Et l'explosion. Parfait. Attention, le choix est difficile. Putain, mais il y a cette émotion. Mais là, par contre, je viens de me rendre un truc de ouf. Il y a une émotion. Il y a une émotion. Il y a une animation la plus stylée de tout Hearthstone. Et ils l'ont viré dans le jeu. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a l'animation la plus stylée d'Hearthstone. Regardez, l'animation la plus stylée, elle est là. Mais regardez, le plus 1, c'est trop stylé. Mais pourquoi l'ont levé dans le jeu? Il y a la meilleure animation, le petit plus 1 qui part et tout. C'est classe, c'est cool. C'est bien, t'as le petit plus 1 qui arrive. Tu dis, oh putain, machin, je suis plus fort. Et... Mais pourquoi ils ont enlevé la meilleure animation? On va faire... C'est pas possible. On va aller faire une pétition pour qu'ils remettent la meilleure animation d'Hearthstone. Je suis choqué. Le petit plus 1. Putain, je peux pas BM. Allez, on pose un magnifique... on pose dans Jurassic Park ici. Regardez le raptor, le croquisque des rivières et le passage. Allez, dire que je... Allez. Et le regard, ce plus 1, est-ce que c'est pas incroyable en vrai? Non, mais est-ce que ce plus 1, il est pas fou? Moi, je trouve qu'il est fou. Tadam. Yes. Ah oui, des ingénieurs novices, des cartes puissantes.
chroniqueur chaud. Allez. Que va-t-il faire ? Des serviteurs s'affrontent, ils subissent tous deux dégâts. Donc ça veut dire que quand j'attaque un adversaire, expliquons bien quand même, parce que c'est pas forcément très clair. Quand j'arrive à un adversaire, quand j'attaque un adversaire, il me met des points de dague. C'est-à-dire que si, regardez, ce stylo rencontre ceci, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si pour vous expliquer, c'est peu les dégâts. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si je tape suffisamment fort avec ceci sur le stylo, ça va le casser. Mais ce sera quand même abîmé. C'est-à-dire qu'elle aura subi des dégâts. Et voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme dans la vie. C'est un petit peu quand une voiture rentre contre un platane. Quand une voiture rentre dans un platane, la voiture explose. La personne, le joueur IRL dans la voiture meurt, mais le platane souffre quand même. Et là, avec les adversaires, c'est un petit peu pareil. Histoire de bien comprendre ce principe. C'est un plaisir de vous voir. Chroniqueur chaud, montrez-moi ce que vous avez appris. Je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Un peu que nous avons un écumeur murloc. Magnifique reportage d'ailleurs hier soir sur Arte sur la pêche des murlocs en Antarctique ainsi que le développement des sous-cultures arborigènes. Oh, un éclair pour dar une nouvelle carte, oh mon dieu! Toujours pas émote. Et du coup, on fonce. Un seul point de dégâts suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite. Hey, vous avez entendu ça? Un seul point de dégâts suffit pour faire la différence entre la victoire et la défaite. J'aimerais bien à nouveau qu'on s'arrête aussi. On n'a pas. Il faudrait aussi qu'on s'arrête aussi là-dessus. Le point de dégâts peut faire la différence. C'est très intéressant. Tout ce qu'il dit. Ça marche aussi avec le chêne. Effectivement, merci Cloucade. Ça marche effectivement pas qu'avec le platane. Ça marche également avec le chêne et tout arbre dur. Genre par contre, si tu rentres dans un sapin, ça marche aussi. En fait, avec un tronc, quoi. Tout ce qui est un tronc un peu large. Merde. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Il misclique dans le tutoriel, ça tourne mal. Ah. Alors, par contre, on va faire un truc bien. On va s'arrêter tout de suite avant de commencer à jouer. Oh, il vole. Oh, il est comme Snoop Dogg hier quand il la stream sur Twitch en fumant des gros pétards. Alors, parlons d'une chose bien. Imaginons, là il peut se passer un truc. Je peux perdre cette game. Si par contre, si je perds contre le chroniqueur chaud, en fait, on annule le stream et on annule le stream. On fait comme si on n'avait rien vu, d'accord? On fait ça. Si je perds, il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on a un deal? Je pense qu'on peut avoir un deal. Vous êtes vraiment puissante. Je me suis fait de nouveaux amis qui peuvent soigner aussi bien que combattre. Quelqu'un a demandé un... Oh, ça va. J'ai cru qu'il allait me mettre une vraie carte. Le cri de guerre. En tout cas, genre gratuit, chaud, il va le trouver gratuit, je pense, à ce rythme. J'espère que vous aimez mon invention. La lame nuit. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à une digestion. La haine mène à la du côté obscur de la force. Ah mon dieu! Vais-je battre le chroniqueur chaud? Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que ce grand moment du sport, la victoire, Crode contre le chroniqueur chaud? La victoire contre le chroniqueur chaud. J'ai battu le tutoriel. Celui-là est à moi. Vous êtes un véritable maître. Ah. Et puis, il disparaît en fumée, car il est lâche. Quel est l'âge? Allez, nous avons vaincu le chroniqueur chaud, nous allons attaquer le roi Mukla.
En tout cas, un tutoriel pas évident pour l'instant. Ah, on peut passer à souris pour découvrir une carte. Très bien. En tout cas, un compte qui s'annonce bien au top deck déjà dès le tutoriel. C'est important. Alors, bien entendu, c'est le début du jeu. Du coup, nous n'avons pas encore découvert le mulligan. Gardez T1. On va tout garder. Parce qu'on n'a pas encore découvert le mulligan. Alors, le fameux éclaireur murloc, on ne peut pas non plus encore BM. Ok, là, un 2. Ce singe me lance des bananes, bah oui. Et pourquoi il te lance des bananes? Parce que t'es une bonobo, tout simplement. Ouais. Non, le lancer de tonneau. Oh, dans ma gueule. What? C'est tout ce que vous avez, Moukla? Des tonneaux? Ah, what? 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 Pas mal. Sexy. Allez, pendant ce temps, nous allons utiliser cette capacité de la charge pour aller attaquer l'adversaire. Un autre lance de tonneau, très bien. Que j'en finisse avec Moukla. Voilà, elle a tout dit. Donc, hop, le petit trail. Et on attaque avec tout ça. Allez, allez, allez. Alors merci, n'hésitez pas à me donner des tips hein, pour pas que j'oublie d'attaquer avec les créatures charges par exemple ou l'autre. Hé hey. Je vais pas pousser mémé dans les orties, mais quand même. Une boule de feu. À noter qu'on ne peut pas concéder, je ne me rends compte, on ne peut pas concéder dans le tutoriel. C'est extrêmement intéressant de le noter, il est impossible de concéder dans le tutoriel. Impossible. Vous n'avez pas entendu du bruit ? Oh mon dieu ! Ah mais j'avais oublié lui ! Mais il est fort ! Mais il est pété ! Mais j'avais oublié ! Allez, on va voir si le tutoriel est bien fait. Si le tutoriel est bien fait, on va top decker à moyen de le gérer. Ah. Ah, pas du tout. Si genre il top deck à deuxième piétinement, j'ai perdu. Oh, c'est beau, il était face. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, il aurait traité ça. Il aurait traité ça, j'étais perdu. Oh mon dieu, j'ai failli perdre. J'ai pas encore gagné, mais. Heureusement qu'il est codé avec le cul. Heureusement qu'il est codé avec le cul, ce jeu. Heureusement. Heureusement que le tuto, il est codé avec le fion. S'il était allé traîner les trucs, j'aurais perdu 100% dans le tuto. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il n'y a pas le pig. Oh là là, il aurait fait les tonneaux sur mes créatures que j'avais perdu contre le roi Mukla. Oh là 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 là. On récupère les boutons, ah ben on les a pas avant. Je pense qu'on entendra reparler de Moukla. Ah là là. Comme bonsoir à ceux qui arrivent. Et maintenant, Nézi. Merci Srivari. Tuez tous ces serviteurs, je vous écrasera. En vrai, ce tutoriel, il fait déjà, t'as déjà un petit peu chaud aux fesses. Je comprends qu'il y ait des personnes au tutoriel qui abandonnent. C'est moi qui commence. Mais moi, j'ai une carte supplémentaire. Oh bien, vous allez en avoir besoin. Allez, le mec il me taille. Donc une carte en plus quand on joue en second. On va devoir avoir aussi la pièce. Ça me rappelle l'époque où je traquais le grand Bangala. La chasse aux bêtes est ouverte! Un chasseur fou. Ah, merci Zal! Merci beaucoup, le sub! Incroyable! Une bête! Et je vais l'ajouter à mon tableau de chasse!
Très bien, on était face. Vous devez avoir l'habitude de la bagarre contre... Oh mon dieu, le pouvoir héroïque. Ça y est, on débloque le pouvoir héroïque. Faut pas lancer des boules de feu. Perdu contre Shaw et Illidan la première fois que je jouais à Hearthstone. Mais Illidan, dans ma tête, c'était possible de perdre contre lui. Oh, voilà, oh, le petit coup d'eux. Alors. Tringle Rance. Le chef de raid, pas de problème, le chef de raid, ça se passe bien. On le vit bien, on met notre chef de raid, on met un sanglier. Les créatures chargent. Et un vieux truc, parfait. On va se marquer. On va se marquer. Oh. Voilà, bon, Nezing, on l'a cassé. On a mangé du nain. Et le nain, c'est bon. Je dois trouver un moyen de neutraliser cette chose. Hop, le mouton. Si c'est du jeu, on aime bien le mouton. Ah, regardez le deuxième mouton et nous bolossons et mettre Zingueri qui est tout petit. Quoi ce qui arrive? Il n'y a pas de soucis, Nabz. Il n'y a pas de soucis. En même temps, du coup, tu verras, ce sera pas trop... pas trop compliqué les à Illidan. Vous n'êtes pas prêt, c'est... tu vois, ce sera pas trop compliqué ici. Jaina contre Illidan hurle orage. Vous n'êtes pas prêt. Je ne sais pas, je viens juste de jouer 5 missions. Allez, est-ce qu'on va voir le mulligan ou pas encore? Oh, toujours pas de mulligan. Terrible. Un Myrmidon Naga. On n'a pas de pièce? Je n'ai aucune carte ne coûtant qu'un cristal de mana. On va bien s'amuser. Mais eh. C'est terrible ce qui se passe pour l'instant. Quoi? Ouais, calme-toi, Coco, calme-toi. Hein. Quoi? Ouais, ouais, il perd la durabilité, c'est ça. Et mon cul, c'est du poulet. On va faire un... En vrai, je vais pas vous mentir. Je suis pas serein. Là, Jean est pas serein. En même temps, je comprends. Ah! C'est compliqué. Non, ça va le faire, ça va le faire. Là, j'ai plus que 4 cartes en main. Des vieux glaives. De mes lames. Le trait tout pour X. Oh, c'est une hôte. Quelle puissance! Son pouvoir héroïque est considérable. Vous ne savez rien de la puissance. Ok. Quand même, il donne. Illidan, il rigole zéro. Il est pas là que pour sucer des cailloux, Illidan. Allez, on va prendre ce trade, comme ça, 2 et 2, 4, ça pourra pas détruire ma 3-5. Ah! Ah, ça va dans... Ma gueule. Imaginez me tuer au burst. Imaginez le mec qui me tue au burst, il est là, boum, t'es à 16, boule de feu, t'es mort. Oh mon dieu. Alors, on attaque avec tout. On arrive à finir le tuto. Si on finit le tuto... C'est un petit peu une... La puissance du démon intérieur. Ouais. Celui-là est à...
la victoire de la marmotte qui a vaincu le tutoriel. Bravo Jean. Jean qui a vaincu le tutoriel. Bravo Jean. Félicitations. La gratuité est en marche. Tai Senel et Konento n'a plus qu'à bien se tenir. Merci KUC Plus pour le sommet que je prime 5 mois à la suite. Yes. Félicitations Jean. Une machine. Et on récupère deux nouvelles cartes. Et là du coup on découvre Hearthstone. Alors attendez, on a gagné 5 matchs en mode entraînement pour avoir un booster. Ah, on a l'extension Cobalt des Catacombes de disponible. Et regarde, on a victoire, il faut faire 5 matchs d'entraînement. Collection, on a pas grand chose. Regardez, on a toutes les classes qu'on n'a pas encore débloquées. On peut personnaliser le jeu. Ah, on peut. Attendez, on va pouvoir déjà optimiser notre jeu. On a déjà plein de cartes en vrai, c'est cool. Genre ça c'est un peu nul. Ça c'est un peu nul. Ça c'est un peu nul. Attendez, on optimise notre jeu. Sachez-le. Jamais sans mon Yeti. Jamais sans mon Yeti, n'oubliez pas. Never sans mon Yeti. Clair du soleil brisé, mieux que chef de raid. Trancheux, somme des deux créatures. Ça aussi. Ok. Très bien. Alors, on a le droit à ça, quoi. On a les parties. On peut aller en classé. Ouais, donc, on va tenter par. On va commencer par tenter de faire une partie classée. On va essayer de voir si Jean. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Est-ce que Jean va réussir à gagner une game au rang 25 avec ce jeu? Attention, est-ce que la victoire est en marche? Est-ce que les possibilités de win sont là? On a trouvé un adversaire! On a trouvé un adversaire, on a trouvé un adversaire, on a trouvé un adversaire. Oh là là! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Yolgat Bears, les 9 boules, nous à la gratuité. Merci. Merci beaucoup. Alors, on joue contre un match, contre Knopix. Ah, donc on peut faire le mulligan ici maintenant. Donc on lève les cartes chères, on garde la carte à 3 pour se faire un T1, T2, T3. Voilà, T2, T3, T5. On va y arriver, on va y arriver. Alors. Ok, image miroir, c'est bon. Alors déjà, on note clairement que l'adversaire est pété de thunes. On note clairement que l'adversaire a de la thune en masse. Parce que regardez ce qu'il vient de jouer. Eh ben non, c'est une carte qu'on aurait pu avoir aussi. Ah, on l'a pas encore. En fait, c'est une carte que tu as en débloquant en passant Jaina niveau 10. Notre Jaina, elle est encore que niveau 1. C'est terrible, on va faire un crocodilisque. On y croit. T'as clairement un adversaire qui a farmé le jeu, c'est énervant. Ok, joue chef de raid. Comme nous. Eva Face. Quel homme! Un chouin cornélien. On met une chasseuse. Tout simplement parce qu'il y a un porc, et le porc amène la victoire. Parce qu'est-ce que c'est qu'un sanglier, sinon un porc des forêts, rien d'autre. Allez. Ouais. Tu es sur eux, bien sûr, je suis sur eux. Voilà là. Merci beaucoup, Seblood. Go Marmotte, casse des bouches. Merci. Merci, Seblood. Tu vas tâter de mon fer, porc. On fait ceci, on tente. Et on a gagné.
Donc le but c'est de restart de zéro, de se moquer de ceux qui prétendent être Kerstone et pay to win. Pas du tout. Je veux dire, le but est en fait en reprenant un compte de zéro et en jouant en fait comme quelqu'un qui a peu de temps de jeu. C'est-à-dire que 4 heures par semaine, plus le temps de faire les quêtes chaque jour. Mais en fait, ce sera pas un compte où genre je le tryhard hors stream des heures et des heures pour pouvoir monter les gens le plus vite possible. Le but c'est de voir combien de temps il faut pour passer en 5 avec un rythme de jeu casu. Voilà, donc on a l'âme nuit. Qui met les trucs, toi on a le trade comme ceci. Le trade comme ceci, bien entendu, ça permet de garder des créatures avec plus de points de vie, voilà. Alors 4, 7, 8. Ouf, la pression en son comble. Est-ce que Knopix va craquer? Est-ce que Knopix va s'en sortir? Un secret, ah mon dieu! Alors attendez. On va faire ça. On tente un ping. Ah. Ah, il a une commune, il a ouvert un booster, pas moi encore. On attaque. Bon. Ok, il joue les moutons. Il a raison, le mouton est une bonne carte. Même malgré mon Yeti qui se transforme en mouton. Ouais. Mais non, le but c'est de voir combien de temps il faut pour monter en 5 et fermer les cartes et tout. Celui-là est à moi. On attaque. On attaque. Le lame nu et le ping. Allez, on continue, on fonce. On fonce. Les petits lame nu comme ça. Tchou. Pic, pic. Merci beaucoup, c'est Blood. Non, mais j'ai dit casse des bouches, crie-le. Mais on va casser des bouches. On a une machine de guerre, nom de nom. Et on va réussir. Même si pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Ouais. Et personne ne te prout de Marmotte. Marmotte n'est pas là. Il joue contre Jean gratuit qui rend 25. Les gens ne peuvent pas avoir peur de gens gratuits. Il est gratuit. Jean, il est gratuit. Laissez Jean être gratuit un peu. Un felping. Peut-être une première victoire. Alors l'objectif n'est pas de passer les gens, parce que pour passer les gens, il faut un gros temps de jeu. Et en jouant une fois par semaine, c'est-à-dire l'équivalent de 16 à 20 heures par mois en ladder, t'as aucune chance de passer les gens. C'est impossible. Donc l'émission sera réussie quand on sera rang 5. C'était, on peut jouer durant la série de victoires. Oh merde, il a marin le malandrin. Et la première victoire de Jean. La première victoire de Jean, il a gagné. Il a gagné. Bravo Jean. Une première victoire, regardez. Est-ce qu'on passera en deux? Est-ce qu'on passera en deux? Oui, on a débloqué quoi? Ah, des éclairs de givre! Une bonne addition à mon deck. Une bonne addition à mon deck qu'on peut aller dans ma collection. Et le mage. Alors on va virer explosion des arcanes pour augmenter le jeu et mettre ceci. Alors je sais pas si on a encore déjà les aventures. Non, pour l'instant on n'a pas d'aventure parce qu'il faut d'abord qu'on finisse l'entraînement bien entendu. Mais on va d'abord continuer. Tant qu'on est sur une série de victoires, on ne s'arrête pas. On n'a pas de raison d'avoir peur. En plus on a pu améliorer notre jeu avec un éclair de glace, c'est pété. Jaina. Vous l'avez cherché. Oh, c'est la guerre. Coucou Psycho, ça va bien et bonne soirée lors du MX. Du coup, on peut relancer le T2, comme ça, T2, T3, T4. On joue contre Kurt Cobain, peut-être. Ah, on a double maître bouclier.
Ah, on a la pièce que pour utiliser avec discernement. En tout cas, le méta rend 25 et full match. Très intéressant en quadri roll. Très très intéressant. À la fin de tour. Mais fais l'entraînement, non, t'es un mec lambda. Mais je vais pas te mentir, Nofixou. Quand Bess Marmotte a débuté Hearthstone, il a d'abord fait du ladder avant de faire l'entraînement. Parce que je vais d'abord tester contre d'autres joueurs en vrai. Oh merde, il a une carte des. De la dernière extension. Oh là là. Encore un mec qui a sorti la CB. En tout cas, pour lequel les Arcanes T1. Au début, j'ai jamais fait ça par contre pour utiliser Arcane T1. Bon, venant de Magic, Jean Gratuit ayant un gros background de joueur de Magic, il a toujours jamais joué au poker parce que c'est une merde au poker, mais en jouant à Magic, en quelques bases et en fait quelques tentatives de qualificatif, il sait très bien ce que c'est la carte advantage, et du coup, utiliser une carte pour perdre 0 points de dégâts n'est pas intéressant. Pas du tout. Et donc, c'est toujours intéressant d'essayer de se battre contre des vrais joueurs juste au début. Puis, dès la première défaite, on va aller faire les entraînements et puis voir ce qu'on va débloquer. Voir ce qu'on va débloquer. Je me demande... Oh, un mouton, diantre. Quelle infamie. Attendez que nous avons un cœur très très agressif qui tente d'aller attaquer la marmatasse. Allez, on remet un maître bouclier. On va attaquer. On peut le faire. On peut le faire. Ah, en tout cas un adversaire très solide. Oh, ça joue agressif. Oh, on a du Murloc. Oh, il veut pas attendre. Il n'a pas le temps. Non, un deuxième projectile. Il a plus beaucoup de cartes en main. Et c'est là que nous allons prendre l'avantage. Après avoir tanké l'agressivité adverse, nous allons pouvoir nous défendre dans notre dernière corde. Et hop, des petits coups comme ça de pic pic pic. Petit coup de pic pic. L'adversaire qui perd des points de vie. On se fait bien. Merci Yamino Kagi. Le sub. Incroyable. Merci Yamino Kagi. La boule de feu. J'ai plus que 19. La métamorphose. Le trade. Le ping, le méchoui. La pression à son comble. On est déjà plus que 17, 15, 14. J'ai plus à beaucoup. Le berserker, un monstre, venu des fins fonds de la jungle, de Strangle 11, il est là pour casser le fion des Daronnes, pour massacrer les innocents et triper les villageois. C'est le berserker Amani. Merci Shaker Games, le sub. Merci. Et l'hésitation là. Et le trade, la peur. La peur dans les yeux de Kurt, regardez sa joie, ça se lit dans ses yeux, il fire. Sa joie, il a fait un échange. Et ça va le faire perdre la game. On n'échange pas, on ne trade pas contre Jean Gratuit. Parce que si jamais tu trades contre Jean Gratuit, c'est Jean Gratuit qui te trade la gueule. Et tu as perdu. Il ne faut jamais trade. Jamais trade contre Jean. Contre Jean, il faut les face. Il ne faut pas. Ah, un clair de soleil. Et regardez là, il va encore trade. Pourquoi? Parce que Kurt maintenant, c'est une flippette. Et quand t'as un flippette une fois dans ta vie, t'as un flippette tous les jours dans ta vie. Et là, Kurt, il va trade. Il va trade dans ses yeux. C'est le désespoir qui se lit. Très bonne analyse de la situation. Très bonne analyse. Bravo. Bravo, Jean. Ça montre bien que t'es free to play, toi, que ça montre bien que t'es gratuit.
Et le raptor, qui n'ont pas dissident mais qui est là pour dévorer la foule foi de Jaina, incarné par Kurt. Les portes sont ouvertes. Un seigneur de l'arène, un lord of the arena. Alors, Kurt, à nouveau, qui est dans l'hésitation, le drame, il ne sait plus, il est perdu. Il fait le ping. Il fait le ping, il fait le pang. Il va faire boule de feu. Regarde la boule de feu. Le ping, le trade, smork et smork. Et là, Jean, qui se dirige vers la victoire, qui se dirige vers un 100% de victoire en ladder, le 2-0. Il faut savoir que Jean, il est gratuit, mais aussi c'est un con. C'est le genre de mec qui est pas très agréable. C'est le genre de mec que tu invites une fois dans une soirée, tu ne le réinvites pas. Parce qu'au final, il était bourré à 22h. Il était relou avec toutes les nanas. Il a vomi sur le canapé. Et à la fin, il voulait pas partir. Voilà. C'est un peu ça, Jean. C'est un peu un connard, quoi. C'est le mec, il a l'air sympa comme son premier abord. Mais en fin de soirée, comme ça, c'est le mec relou. Je me demande... Donc on sait quoi, rune shaman, élémentaire ou... Ou le top deck. Ou le top deck de Kurt. Kurt qui relance la game. Kurt qui relance complètement la game sur ce top deck. Oh mon dieu. Ouh, la pression. Que se passe-t-il? Est-ce que Kurt va top decker lors de cette première game? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe pour le joueur allemand? Kurt le fragile, qui s'y était allé face tout à l'heure, aurait déjà gagné. Va-t-il être puni? Il a été puni. Il avait qu'à aller face, il était puni. Très bien, voilà. Comme quoi, Hearthstone est un jeu fair et je l'aime déjà. Le meilleur joueur gagne. Bonjour. On rappelle que Jean est un connard. Tu vas tâter de mon fer. En chaman, je te conseille Jade ou élémentaire. Et oh merde, on est passé niveau 3 avec Jaina, on a pas eu de nouveaux bonus. Mais écoutez, comme je l'ai dit, tant qu'on gagne, on ne s'arrête pas. Que la traque commence. Vous l'avez cherché. Et on lance tout. On joue contre Jeskin, chasseur. Mon dieu. Et la tryhard l'a débloqué avec le chasseur. Ça a tryhard en face. Il a débloqué un deck chasseur. On face en son adversaire. On sent un adversaire déjà qui était plus loin que nous dans le tutoriel. Le secret. Alors il joue un secret. On va essayer d'attaquer. Oh, qu'est-ce que c'est? Un piège givrant. Ça va donc faire une intelligence d'arcane. On récupère un projectile, une métamorphose. Très bien. Très bien, très bien. Dans ma... Si on prend ça, on est là. Never without our Yeti. On va se battre contre Jeska. On va se battre contre Jeska ici. Jeska qui a un prénom d'origine est de l'Europe, n'est-ce pas? Jeska comme un petit peu Jaskier dans la série de Witcher. Meilleur RPG du monde entier de la vie de l'amour. On prend tout. On attaque. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? On essaie d'exploser le Yeti, ça ne marche pas. Et le Lame Nuit va venir lancer ses petits dards comme ça. Alors Jeska, que tente-t-il? Jeska, qui transpire.
qui est mal à l'aise, qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne sait plus, qui est perdu. Oh, une flèche multiple. Quelle infamie. Un tiers des arcanes. Il ne joue aucune créature. Il ne joue aucune créature. C'est louche. On va faire un pic. Pour lui montrer que dans 22 tours, on le tue. Attention, il a beaucoup de choses. On va voir ce qui se passe. Ça peut être surprenant. Un détournement. Je me sens détourné. Je t'ai détourné de ma tâche. En tout cas, un adversaire qui est agressif, qui met moult points de dégâts sans que je puisse faire. Quoi que ce soit, il est encore à 22. Heureusement, j'ai mis un porc, un sanglier. Il n'a toujours pas joué un seul sort. Encore aucun. La perplexité me guette. Que va-t-il faire? Ah! Un tir explosif. Un ordre de tuer. Une grave morsure. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah! Une frappe latérale. Très bien. Une pièce. Et encore une grave morsure. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. A priori, petite erreur. Ouais, mais... Tu vas tâter de mon fer, porc. Tu joues une épique. On va tenter le projectile des arcanes qui fait piou piou piou. Regardez. Piou 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 piou. Le ping. Et le ping. Et du coup, Jessica qui commence à craquer. Jusqu'à qui hésite. Jean va-t-il gagner pour la troisième fois de suite? Jean va-t-il passer en 24? Je ne sais plus. Les 8 maintenant en face de Jessica. Oh, le tir explosif. Oh, la violence. Mine de rien, ça picote. Un chasse-marée murloc. Et un éclair. Oh là là, le létal. Presque le létal. Dans deux tours. On va fireballiser l'adversaire et on va gagner. J'espère. Secret. Oh! 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 Ah mon dieu! Ah mon dieu! Il joue un prêtre sans aucun serviteur! Au rang 25! On va pas se laisser faire. On donne tout. Ma main est déjà pleine. Le secret. Encore des secrets. Alors. Ouais. Et nous avons vaincu. Nous avons vaincu le fameux Jessica. Et son jeu. Attendez, on va quand même regarder ce qu'il avait. On a vaincu le fameux Jessica et son deck. Chasseur sans créature durant 25. Voilà, bravo Jean. Et la série de victoires. Oh mon dieu. Le gnome lépreux, je suis tout chose. J'ai tout dit, on est sur le serveur Europe, et oui. Et regardez ce passage rang 4. On a débloqué
On a débloqué le chasseur. On débloque une image miroir. Et on a destrié les... On a destrié les sur World of Warcraft. Les heureux vénards. Ça a débloqué tellement de choses. On débloque tellement de choses. On va continuer avec Jaina. On a un feeling avec. Jaina contre Jaina. Vous l'avez cherché. Ah, oh, c'est la guerre. Hmm. Alors, hop, hop, hop. Encore une Jaina. Oh, rang 23. On est surappareillé. On est surappareillé. Bon. Nefanto. Le projectile. Allez, on est là. T'es, il a joué une commune, le salaud. Non, non, on va pas y aller, on va y aller comme ça. Ça va être malin, on va mettre la chasseuse. La chasseuse qui chasse les dragons fériques. C'est parfait. Voilà. Un chaucheur de loups. Ah. Que va-t-il faire? Oh, le trade. L'erreur. Il va face, et regardez, devant vos yeux ébahis, la réussite, deux gens gratuits, le projectile Zarkane qui va... Alors, faut savoir que les projectiles Zarkane, il faut pouvoir... les maîtriser, c'est un sort qui est très difficile à maîtriser, projectile des arcanes, et il faut beaucoup d'expérience, faut une Jaina niveau 60, faut beaucoup de game. Là c'était pas trop maîtrisé encore. Là il manquait un petit peu de travail. Il manquait un peu de travail dans l'entraînement. Aïe aïe aïe, le dragon féerique nous fait tellement mal. Il nous fait tellement mal. Aïe. Ouh, la pression à son comble, son paroxysme. On va faire ceci. Et ceci. La fin de tour. On est quoi? Ouais. Allez, c'est notre deuxième chance. C'est notre deuxième chance. C'est notre projet. Vas-y, ouais. Bravo mon petit, t'es le meilleur. Je savais que tu pouvais le faire. Bravo Jean. GG. Bravo. Marmotte, tu seras autour de la Game of Origin. Ouais, ils l'ont entendu ce soir. Le 3 et 4 février. Ben, la semaine prochaine. Théâtre de l'Antenne à Paris. Un enragé de magma. Le ping. Le lame nuit, on va dans la gueule. Très bien, très bien. Un... Oh, merde, c'est fort, c'est quoi ça? Celui-là est à moi. En avant. Heureusement, heureusement, Jean a un cerveau et n'a pas mis létal. Tant mieux. Ah. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parfait. Oui. On est rang 4. Rang 5, on est peut-être rang 5. Et on a débloqué atteindre le niveau 10 avec une classe pour gagner un paquet. On est rang 23, on est actuellement rang 5. Bientôt la nouvelle livre.
Marmotte la forme, yes. Tu tentes le roche légendaire d'un mois. Pas du tout. Je regarde en jouant 4 heures par semaine un compte. Combien de temps il faut pour le monter rang 5. Voilà. En fait, le but est de... Même si j'ai un niveau un peu élevé... Je n'y peux rien, hein, si j'ai un niveau élevé, je m'excuse si je suis un beau gosse. Le but est de voir, en jouant 4 heures par semaine, en fait, un peu comme beaucoup de monde n'a pas forcément beaucoup de temps de consacrer à Carastone, et Jean Gratuit qui a un travail à côté parce qu'il tient le magazine Connard, parce qu'il tient un Connard magazine, il faut faire des articles, trouver tout ça, en fait, n'a le temps de jouer à Hearthstone qu'un soir par semaine. Et parce que le reste du temps il est tout le temps pris. Du coup, par contre, tous les jours, vu qu'il fait caca de 13h à 13h30, il a le temps de faire sa quête journalière. Donc voilà, ça va juste être un compte où on va jouer cette durée de jeu. Alors, Erdolos qui nous joue une carte de type étonnante. On va prendre le trade. Mettre un raptor dissident. Non, dissident, pardon. Wow. Ok, draw. Il y a des très bonnes cartes dans le jeu adverse. Pour l'instant. Faut pas chercher longue défense. Oh, une profanation. Un deck adverse très 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 solide pour l'instant. Où je ne suis pas forcément prêt à l'affronter, je pense. En tout cas, c'est pas facile. Est-ce qu'Hearthstone n'est pas le Dark Souls de la bataille? Un peu. Ça te coûte tous les jours quand même pour avoir la quête journalière. Oui, je veux juste me coûter tous les jours pour faire la quête journalière. Oh la vache, ça joue des épiques en plus. Ah, ça va être tendu comme un string en latex, cette game, si je peux espérer la gagner. Ouais, je me coûte tous les jours, je vais juste faire la quête journalière. Et c'est tout. Ouais. Ah mon dieu! Diggin' Hall, merci beaucoup, Jean-employeur, Jean Gratuit mérite son salaire. Lait de boule, merci beaucoup. Merci. La provocation, on va face. Le ping qui se met en place. La pression sur Erdolos. En tout cas, autant vous dire que ce deck avec des gens, avec un cube, avec le crâne de Manari, il m'a quand même l'air fichtrement solide. Si je peux me permettre pour un deck du rang pour un deck rang 22, un démo cube, ça a l'air fort. Ok, ça a l'air fort quand même en vrai. Si je peux me permettre, il est solide. Ah. Oh, il a pas attaqué avec. Oh, il a pas attaqué avec. Oh, 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 celui-là est à moi. Ah là là. Celui-là est à moi. Ah. Passage en 22. Ah, on va débloquer des nouvelles capres encore. Démoniste débloqué. Incroyable. Voilà, Deltascape, Jean Syndicat demande une augmentation, merci Deltascape. Et 3 boules. Parfait. Incroyable. Vous l'avez cherché. Ah, c'est la guerre. Très bien. Alors, ingénieur. Bison. Oh, bison.
Dictator, peut-être. Bon. À fin de tour. Oh, William de Mana, ça commence à rigoler zéro. On va peut-être tenter un raptor. Oh. On va directement faire l'éclair de vivre là-dessus. Est-ce qu'il y a le gratuisme adverse? On prend l'explosion. Chasseur de transpose, très bien. Bonsoir tous ceux qui arrivent. Et la présence sur le bon état, la présence sur le bord est avérée grâce à un port et une chasseuse. Ce tranche-beau, j'ai un petit peu énervé. Tu vas tâter de mon fer, et la drogue est là. Parfait. Pourquoi t'as pas mis Bertrand gratuit? Parce que c'est beaucoup moins drôle. Merci beaucoup Zarmal. Les bits de la gratuité, merci. Je me demande... Parce que Jean est meilleur que Bertrand. Jean Santerre, Jean Rochefort. Là, il y a plus de gens alors qu'il y a des Bertrands célèbres à part Bertrand du Guesclin. Ben voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Jean, c'est un prenom, voilà. Le roi Arthur, s'appellerait pas Jean? Ah ben non, ça s'appelle Arthur, je suis con. Tout simplement. Jean Reno, bien sûr, Jean Gabin, Jean Valjean. Oh! Une hydre. Quelle terrible erreur. Un terrible choix pris par Bison, un choix des Balls. Légendaire, bien sûr. Légendaire également. Nous avons un Magic Rintor. Un secret. Un ping. Oh, une hydre qui trade. Quelle innocence. C'est beau. Un ping. Un trade. Un autre trade. On tente la métamorphose. Merde, il y avait peut-être l'étal. Quelle erreur. Quelle erreur. Une intelligence d'arcane. La pression est là. Un deuxième match du Kirintor. Et un secret. Est-ce que cet adversaire est fourbe au point de jouer des blocs de glace? On va vite le savoir. Et la boule de feu. À la victoire contre le mage arcane, le mage secret. Mais oui, mais oui. Le rang 21 qui arrive. La folie. Le passage rang 6 de Jaina. Qui perd des Nova. On relance. Oh, un autre mage contre Lit. Oh, il est rang 20, lui. Il peut être fort. Il peut être fort. On va juste garder le raptor. La fin de tour.
Ok, Image Mirror. Lit qui joue un deck qui semble raisonnable. Et non pas divergent. En tant que tel, en tout cas, je parle. Oh, ça joue des vraies cartes en face. On va battre de la draw. Je commence à avoir chaud. Trop de pression avec le nombre de victoires. En tout cas, les Yeti qui sont pas là. Ça met la pression. Jamais sans mon Yeti, on avait dit. On va mettre un troll. Qui va se protéger, qui va protéger, qui va sacrifier son corps. Qui va sacrifier son corps pour la destinée. Oh, K'toon. Oh, un dieu très ancien, mon dieu. Oh, projectile d'arcane aussi. Oh là là. Oh, Jean qui se sacrifie pour protéger son troll, c'est beau. Et là là, Elite. Oh, Elite qui nous fait des plaies dissidents. Je ne comprends pas, je ne comprends plus, je ne suis perdu. Et notre clair qui va booster le 3-4. Allez. Un Great Run. Très bien, on s'en fout. On s'en fout. Coucou Letsu. Bonjour. Chanté. Ah, alors là il se passe des choses. Là il se passe des choses. Là il y a des choses étonnantes qui sont en train d'arriver. Il y a des choses folles. Il y a un projectile d'arcane. Et oui, c'est fou. On va tenter de faire ceci. Prendre le trait de là. Et essayer de tuer magnifiquement si géomancienne. On l'a tué. Et on joue sur un ping. On est bien. Contre Lit. En tout cas, il a K'toon, se dire qu'il a des cartes des dieux très anciens, c'est-à-dire que c'est un vieux joueur. Lit qui joue au moins depuis... Oula, plus d'un an et demi. En avant. Et le petit de la nuit. Et le ping. Le ping sur la 4-1. 3-7. 10-11. Et le létal qui va arriver. Et la souffrance qui va arriver aussi. Oh le mouton. Oh le mouton. Et merci beaucoup Risto Kroof pour le sub avec Twitch Prime. Merci, merci Risto Kroof. Et le ping, Jean te remercie car grâce à toi, Jean pourra embaucher un nouveau stagiaire pour le magazine pour son fameux magazine Codard Magazine. Allez. Le portail terre du feu. Qu'on pourra débloquer également. Pour déclencher l'assassin du lotus. Et la victoire de Jean. Qui arrive en 20. Jean qu'on n'arrête plus. Jean la machine. Jean le monstre. Jean le tueur. Merci Jean. On est niveau 7. On continue. En mode, tu comptes faire comment pour compter un deck en fonction de ce que je chope, tout simplement. Et j'aurai le droit de désenchanter les cartes nulles, bien sûr. Oh, Master 40 Alpha Mosso Warrior. Vous l'avez cherché. Bon. Par contre, au niveau 20, paraît-il qu'on entre dans le dur du sujet. Travail terminé.
Ouais. Bien fait le ping. Très bien. Oh là là, pendant que Vincent sub 6 mois. Merci Vincent. Incroyable. Douleur. Mais jouerait-il Garrosh Control? Mais pourra-t-il vaincre mon puissant Yeti Normois? L'acolyte contre le Yeti, le bien contre le mal. Va-t-il y réussir? Est-ce que Master Foley va réussir à battre le Yeti? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Coucou Musicaru. Et le puissant Yeti, la force du Yeti, la force. Regardez, rappelez-vous Tintin au Tibet, la puissance du Yeti. Oh! Il joue un jeu différent. Et on prend le point. Très bien. Là, Yeti, il est là. Il est grand, il est beau. Regardez, il descend fièrement. Il a fait de la muscu aujourd'hui. C'est lui qui a coaché au Liège quand il a gagné le 100 mètres contre Talk. Il est là. Il est grand. Il retourne Yudi à une seule main. Il prend toute la Team Vitality pour le broyer entre ses doigts. C'est le Yeti Norrois. Il est là. Il est incroyable. Et pour l'instant, il est tout seul. Donc nous avons un flingueur. La pression est déjà à son paroxysme. Que doit-il se passer? Est-ce que la boule de feu va aller là? Pour les traits de l'acolyte, pour éviter que l'adversaire fasse trop de pioches. Attends, on a notre petite provocation en cas de créature adverse. Coucou Darfem, bien le bonsoir. Allez. Le Yeti, qui représentera la France au championnat de HGG l'année prochaine, bien entendu. Il pourra que faire mieux que cette année. Oh, une exécution! Mais c'est pas grave, le Yeti reviendra, car il est plus fort que l'exécution. On n'exécute pas un Yeti, c'est le Yeti qui exécute. Bon. En tout cas, c'est tendu. On va mettre le croquilisque. Hop. Il peut le faire. Il doit pouvoir le faire. Quoi encore? Retournez au travail! Le sous-chef Krell, oh là là, que se passe-t-il? On a un monstre de puissance innommable. Oh. Un protégé le roi. Une prise en passant. Prise en passant. Oh le projectile! Oh, il peut carry des bouches, regardez. Allez, un point, un point, un point. Oh, le croyable. Le kill incroyable. L'éclair, tac. La value est totale. La value est totale. Que tu fais, Ria? Oui, j'aime bien faire Ria, c'est un très bon jeu PvE. Et je connais Duelist, il faut que j'essaye d'ailleurs. Il faut que j'en fasse une découverte. Je fais Slay the Spear cette année, à voir après. Alors, oh, une vraie carte. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de trouver notre mouton? Pas du tout. Bah, c'était le moment, mais on l'a pas trouvé. Du coup, on peut faire l'éclair de vivre là-dessus. Nous devons purifier le prix de... On revalue trade et on va mettre le 1. Et on garde une magnifique boule de feu pour plus tard. En avant. À partir de quand Gadget Zen du 35 seront plus disponibles en boutique? Avril. T'as ouvert des boosters? Zéro. Je n'ai pas en moi pas encore donné des boosters, c'est le jeu de la radinerie. C'est le jeu de la radinerie. Et ils filent pas de thunes, ils filent rien. Genre je suis en vat, ils m'ont même pas filé un demi-booster. Ouh, Popette. C'est-à-dire le mouton. Regardez, beau gosse. Pas du tout.
Go. Ok, frappe mortelle. Oh, amélioration. Oh, heure de bouclier. Voilà, champ gratuit dans le dur. Une carte en face. On a Yeti la nuit. C'est maintenant que tout joue. Ah, c'est bon. Ouais, hydro. Ok, c'est bon, on se fait bien, on se fait bien. Oh, l'ocre roche-point. Oh là là, le videur des soirées au fameux bar de Cabastan. Oh, le brave sabot de sang. Du coup, on va pouvoir rentrer encore des points de dégâts. Ça est en train de craquer chez Master Folly. Après avoir voulu vaincre. Jean, monte 20 pains, Jean. C'est impossible, il est au-dessus, il est trop fort. Il a des ogres roche-points des Yeti Norrois. Que peux-tu faire? Rien. Rien. Je vous mettrai le deck sur mon site, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Je vends aussi également le déclisse 5€. En tout cas, Master Folly, c'est pas la folie chez lui. Voilà, voilà, pardon. Et la victoire! La victoire! On n'abandonne jamais! Il n'abandonne pas, il y arrive, il a tout donné! Bravo! Bravo, Jean! Et le rang 19, regardez cette animation! Vous, qui peut stopper Jean? Personne. Voilà, regardez. Oh, ce rang 9. Bientôt l'élémentaire 2. Nouvelle carte incroyable. On a débloqué Garrosh. Il reste 5 cartes à débloquer. 5 classes à débloquer. Et en avant avec Jean. Ah, l'Adoa. Oh, cette main de départ, pas piquée d'hanneton. On va juste enlever le projectile des arcanes, hein, parce que c'est pas forcément très très fort, c'est pas ce qu'il joue. Le lame nuit, qui est là, qui a tellement carré contre le démo. Les démos. Allez, fin de tour. Tin. Oh, ça joue un vrai jeu en face, une idole de jade. J'étais pas prêt. Mais par juste un vieux. On va faire le raptor. Au cas où. Tout est possible. Oh, un forageur tortolane, ça va. Il va face, like a boss. Donc on peut faire cet éclair. C'est un truc. Et on va dans la tête. Parfait. On rentre des premiers points de dégâts. Toum. Ah, hop. Le maître bouclier, donc c'est encore excellent. On va aller dans la tête. On lâche rien. Un forageur. Mes préférés.
Innervation, pièce, qu'est-ce que c'est? Un motard! Yeah, le moteur de l'apocalypse. Et il vient m'apocalypser mes chances de victoire. On va faire le ping. On n'est pas frais. Aïe aïe aïe, à tout moment. On va se prendre un B-mode, ce sera fini. Ça va ça. Et le ping et le hit. Attention, faut qu'il ait un tour un peu faible. Il a 8 mana, beaucoup de cartes en main. Ah, nous riches. Oh, il joue une rare. Qu'est-ce que c'est, une colère? Un balayage? Un balayage. Le trade, le trade. Le trade. Oh, il a gagné des manas. J'ai pas vu. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va nous faire un flow ultime? On s'est tendu. Une croissance. Blood Raw. La Doha. Oh! 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 Ils ne s'en relèveront pas. Oh la maxi baise! Oh le mal au fion! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Et la défaite! La défaite! Au rang 19 qui est en train d'arriver là! Bon. Ouais. Là, c'est la victoire qui semble compromise. Ça va être extraordinaire. Je joue métamorphose. Ping, pas du tout. Aïe aïe aïe. Nous devons purifier le coup de soleil. Très bien. Très bien. Une vraie pression ce qui se passe là. La Doha. Aïe. Aïe. Oh non, flow ultime. Des fois il faut savoir abandonner dans les grandes causes, ils nous abandonneront ici. Genre gratuit, tu as quand même fait rang 25 au rang 19. Félicitations. On va débloquer les monteurs doux. Très bien. Et choc de flamandise. Yeah. On va aller dans la collection. On va débloquer les autres classes, je pense. On va mettre les élémentaires d'eau. On va essayer de débloquer les petites features d'Airstone parce qu'on n'a pas de booster. Là, on a des boosters. Et il faut qu'on passe, qu'on gagne l'aventure. Alors, on va jouer en normal pour l'instant. Débloquer des héros, vous devez les vaincre. Affrontez votre héros favori en premier. Et ben voilà. On va débloquer les 5 héros restants. Bon, le feu ultime, ça m'a tué. Pour marteau du destin. Vous l'avez cherché. À fin de tour. Allez, dans la tête. Détruit. Et se souiller par ce qui s'est passé là. La violence de l'adversité au rang 19 m'a quand même fait beaucoup de mal et j'espère pouvoir
me remettre dans le droit chemin et débloquer surtout les différents potentiels. Et surtout finir les 5 matchs en entraînement. Jean gratuit qui rend 19 d'ailleurs, ce qui c'est-à-dire mieux que la moitié des personnes qui regardent ce stream. Le mode expert n'est pas encore débloqué, bien sûr. Ouais. Ça c'est gratuit, mais c'est Jean, il est gratuit, il est comme ça. Voilà. Pendant que l'adversité adversities. Et que les orions de givre pleuvent comme neige au soleil, ça ne veut rien dire. Et que nous mettons un magnifique maître bouclier pour ping. Et on continue. Les loups de givre sont prêts. Voilà, pendant que l'appel totémique est dans la place également. On va attaquer, on fait ça. On s'en fout, on balance. Le but est de massacrer tout adversaire le plus tôt possible, le chef de raid. Coucou Yuse. Ah merci NixDagGeek pour le sub. Merci beaucoup. Merci merci. Et le ping. Et nous avons débloqué le chaman. Plus que 4 classes à débloquer. On va tuer l'ami. Parfait. Et on va débloquer druide maintenant pour prendre notre revanche. Jaina contre Malfurion. Je dois protéger la nature. Vous l'avez cherché. On relance tout. Ah, parfait. Très bien, très bien. Tout va bien se passer. On va pouvoir bolosser. On joue contre l'aubergiste, hein. On rappelle, on joue contre l'aubergiste. On est en train de lui rouler dessus. GG, Marmotte, c'est vraiment super fort. Merci, je sais. I know. Et un raptor au change. Yeah. Une croissance. Yeah. Et un deuxième raptor, on se croirait dans Jurassic Park. Yop tout le monde. Ah, je tabasse l'aubergiste, bien sûr, c'est un faux nain. Un faux nain l'aubergiste, on va le bolos, normal. On va lui montrer que c'est le patron. Et un indice, c'est moi, c'est pas lui. Allez, le change forme, on le skillifie l'aubergiste, y'a pas de problème. On lui balance des grands coups de la nuit dans la gueule et ça va pas lui faire plaisir. Ok, hein, la nuit contre la nuit, voilà c'est beau. Temps de créer une innervation à 1. Gros nerf du jeu d'ailleurs, sur l'innervation. C'est à partir du moment où je gagne contre des démo cubes, effectivement ce n'est pas un aubergiste qui va me faire peur. Première fois que t'as passé le jour, t'as mis combien de tours? Je sais plus, une centaine d'heures. Et un prêtre. T'as mis combien d'argent la prochaine fois que tu es passé les gens? J'ai mis 60 euros dans Hearthstone. Au début, le premier mois. Nous apportera la victoire. Vous l'avez cherché. Retour lancé.
Travail terminé. Ouais. Et le module ouvre. Ok. Je compte faire quel deck ? Ça dépend des légendaires que j'ouvre en fait. Simplement. Allez, on fait de la draw. En tout cas, c'est très chiant un prêtre. Hein. Il tempo, il se fait rien. Le drame. Nous devons purifier le puits de soleil. Très bien, clair de ciel brisé. Ok. Le raptor. Oh mon dieu, il se hydro. Le drame hydro. Hey, c'est compliqué ce game. En vrai. Ou à la vie de ma mère. Ça se défend de ouf. Ça se défend de ouf. Ouais. Le patriarche. Le boulon de douleur. Ouais. Ok. C'est bon, il est en train de craquer. Là, je sens qu'au fond de lui, il commence un petit peu à claquer du fion. C'est parfait. T'as l'aubergiste en tout cas, il se défend bien. C'est fini, oui. Et là, il me soigne. Pas du tout. Problème des traits. Oh, docteur Voodoo. Il soigne sa créature, quel bon plays. Ça joue solide, comme on dit dans le milieu. Merci beaucoup, Chamalo! Non, Octante 2, Octante 2, Chamalo 82, merci pour le sub. Et tu te prends la folie. Ouais, c'est... Ah. Yes! Nous avons vaincu, mais je ne suis que 2, je crois, ou 3, je ne sais plus. On a débloqué le prêtre, 3 sur 5. On est bientôt niveau 10, un booster en plus. Toum toum, toum toum, toum toum. Bon. Gina contre Valira. Valira. Soyez vous l'avez cherché. Merci Nexos, Nenoxcraft, 4 ans déjà, hâte de te voir perdre, on est en 25, on va sortir un Razekus optimisé. Mais Nenox, Jean gratuit et déjà rang 19. Et j'ai battu un démo cube full optimisé. Démo cube full optimisé, eh oui. Eh oui. Un tir. Kenner Sherel. Le ping. Le ping aubergiste. Prêt à l'action. Le soldat du comté du nord du clair. Une maîtrise de la dague. Très bien, on s'en fout. Je prends les dégâts. La douleur est là. La douleur est présente. Je savais que ça mettrait les deux. Je le sentais. Ce serait quoi être légendaire de rêve pour commencer? Oh, je n'ai aucune idée. Bon, si tu me sors genre à lunettes, c'est pété. Enfin, il y a tellement de trucs bien. Izera serait cool quand tu startes. Il y a pas mal de trucs solides quand tu débutes. En vrai, cet aubergiste, il est compliqué en début de game. Ouais. Ouais. Aïe. Exoscraft, ok. Aïe. Et on provoque. On met 5. J'espère que vous aimez mon attention. Ouais. L'inventrice, ouais.
qu'on voit, il ne se laisse pas faire. Il est dur en affaire, il est dur en affaire. Donc il va piocher le projectile des arcanes. Ouais. Un raptor. Je crois que ça devient un peu compliqué. Coucou Chamallow, c'est exactement ça. Tu as bien compris. Tac, 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 parfait. On va la gagner, il est à poil, ça met juste un peu de temps. Aïe. Quand même. Ah. La métamorphose. Très bien. Ouais. Ah mon dieu. Baliballo, l'abonnement est quand même payant en free to play. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et non, je n'ai pas encore pu faire les prologues, parce que pour pouvoir faire des prologues, il faut d'abord avoir fini l'entraînement. Il faut avoir fini les 5 matchs d'entraînement pour pouvoir faire le prologue. J'ai pas encore pu, c'est encore lock. L'agressivité en tout cas de l'aubergiste. Bon. Ah! Plus que une! Plus que une, nous avons fini le prologue et les deux boosters. Très bien. Et on attaque. C'est quoi le mieux entre chemin de rue des pas pour arène? Perso, je préfère pas là tous les jours. Debout sur la table en chantant l'Aziza. Attention, regardez le passage rang 10! Eh oui! On débloque Valyra. Oh, deux chocs de flamme. Oh, le gain de niveau. Très bien. Et on va finir l'entraînement en débloquant le paladin. Gina contre Uther. Je combattrai avec honneur. Vous l'avez cherché. Et Raptor élémentaire d'eau. Ok. Ouais. Hop, hop, le raptor, parfait. Au rapport. On fait le ping, et voilà. T'as un booster de plus, tu fais les 9 classes en mode expert. Ouais, ouais, bah s'il me donne pas la quête, je vais pas le faire. Simplement, ce serait trop long. Et pas très passionnant. Et on continue à attaquer. Tel un fou, tel un roi. Ouais. Ah. Aïe. Aïe 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 aïe. Élémentaire d'eau, très bien. Le renfort, très bien. On continue, on n'arrête plus rien. Plus rien n'arrête là. La force des vagues, la puissance de l'océan, la bonté d'un Mr. Freeze. Personne ne peut combattre un élémentaire d'eau. Au rapport. Allez, je mets sur mon Yeti, on prend le trade. On y va tout droit. Le renfort. L'avance de gnome. Et ça ne traite toujours pas. Il est gratuit, il ne traite pas. C'est lui qui est gratuit, c'est l'aubergiste qui est free. Il ne s'en relève
Smork. Ok, c'est too late. Il va traîner, mais c'est too late. C'est ça. Il a compris, il est trade. Et c'est la fin. Et la victoire. Nous avons fini le tutoriel. On va voir ce qu'on débloque maintenant. Notez qu'il y a le bras de fer à 22h. Attends qu'on a toutes les classes. Toudou, youpi, des cartes dorées. On a le paladin. La thune, on a débloqué toutes les classes. Victoire à l'entraînement. Nice. Et nous avons terminé un match en mode partie. Très bien. Oh. Waouh, c'est joli. Ah, on a le mode expert, on a ça. La couronne. Très cher invité, vous êtes convié. Vous avez assez d'or pour acheter un paquet de cartes. Rendez-vous à la boutique. On va déjà ouvrir nos deux premiers paquets. La pression. Les deux. Premier paquet de gens gratuits. Une rare. Oh, bon, une rare. Bon, pas des cartes terribles. Rien pour modifier le jeu. Une autre rare. Bon, on va pas aller loin avec ça. On va aller loin avec cette merde. Très bien. Ok. On va commencer par la partie. Faut terminer une partie. Il faut terminer une partie. On va le faire. Puis après on ira faire les aventures. Jaina contre Maiev. Personne n'échappe à ma fureur. Personne n'échappe à ma fureur. On joue contre Alex 21, puissant adversaire en 21. Même pas une urne de mana déçu. T'as fait quoi pour l'instant? Je suis passé rang 17, 19 pardon. Avec ce deck dès le début. Il a fait pièce qu'il est 7. Imaginez, il fait pièce qu'il est 7. Oh, défenseur Xaris. Oh, seconde Zot. Oh, c'est amusant. C'est amusant. Oh, what? Hein? Hein, quoi? Hein? 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 What? J'étais pas forcément prêt. Ok. Allez, toum toum. Oh le backstab. La puissance du deck adverse. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire avec tant de puissance? Un deuxième rampeur, ça va. Élémentaire. Très bien. Bon. Ouais. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Grosse sortie adverse. La pression est à son comble. Nous devons purifier le puits de soleil. On prend les trades, on donne 4-7, on donne un chute de Serenite, c'est tendu. Ouais, le matelot. Un agent du S6-7. Il est fort son jeu en vrai. Ah!
T'es joué le Vertunoli aussi, c'est triste. C'est un peu triste la sortie adverse. Allez, on tente le projectile. On peut peut-être tenir. S'il a deux cartes nulles en main, on peut tenir. Donc on enchaîne sa runite. Le trade est là. Aïe. Et un mistress attaque. Bon. J'espère que vous aimez mon invention. Je crois que c'est la fin. Bon, une sortie un petit peu trop forte de l'adversaire. On va devoir, je pense, faire la déco reco pour avoir notre arme et nos boosters. On y croit. Ouais. Aïe. Aïe. C'est la fin. Pourtant, c'était bien battu. On a tout donné. Mais pourtant. Nous n'abandonnerons jamais. On lui fera pas perdre un max de temps. On s'en fout. Jusqu'au bout, on le fera chier. Jusqu'au bout. On concède pas. Viens nous tuer si t'es un homme. Viens nous tuer si t'oses. Allez. Vas-y. Allez, hein. Come on. Oh, d'accord. Boulos. Je fais. Ah, j'étais à deux doigts. J'étais là de le rope pour le faire chier. Rien que pour le faire chier. Alors on a un booster. Et on a joué 3 matchs en mode partie. 101. Intéressant. Donc on va déjà faire le paquet. Une commune. Une rare. Une commune. Ah là là là, terrible cette ouverture de booster. Le drap, on va déco reco. Pour avoir nos paquets, peut-être nos trucs de cobalt des catacombes. Ah, les gens gratuits qui relancent le jeu, bien sûr. Ce fameux Trix. Étonnant. Quel plaisir de vous revoir. On n'a rien d'autre. Faut d'accord, des trucs à venir. On va déjà aller voir dans les aventures. Vous venez de débloquer des adversaires de niveau expert. On va déjà aller à Karazhan. Coucou ceux qui arrivent. Rejoignez-moi à Karazhan pour faire le plein de musique, de magie. Nous allons animer l'argenterie, répéter notre opéra et préparer la ménagerie. Ah. Cette soirée promet d'être mémorable. En avant. Rose, pourquoi y a-t-il des démons dans la salle de bal? Pour l'instant, ils m'ont filé 3 paquets, Fash. Pour l'instant, 3 paquets. Contre le prince Malkézar. GG en Xnex. Oh, ah oui, c'est pété ça. Encore toi. Ouais, mon invitation. Comment ça va? Très bien, dame de Villepin. Je suis très heureux. Non. Et alors tu pues. Après la dernière fois, nous sommes encore en train de réparer le trou dans le toit. Oh, de la merde. Ouais. Mais pas cette fête. Crérette. Ok. C'est pourquoi Yuk. Oh, c'est nul. Pourquoi cet appel? Alors, il se pourrait qu'il y ait un léger souci.
Monsieur, les médivas sont en place. Barnes répète avec elle en ce moment même. Très bien. Ça passe, easy. Ah. Ah. Très bien. Pour l'instant, c'est une catastrophe. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est une catastrophe. C'est ouf. On va tenter un truc au prochain tour. Vous allez voir, ça va vous étonner. On va tenter un truc au prochain tour. Regardez dehors, monsieur. Des boss de raid se battent pour une invitation. Allez, mon prochain tour va vous étonner, sachez-le. On fait ceci. Parfait, un bon tour. C'est bien, on va y arriver, on va faire des trucs bien. J'y crois. Ah, pas du tout. Les ballons. Morose, nous avons oublié les ballons. Il n'y a pas que ça qu'on a oublié, monsieur, ma dignité aussi. Les Murlocs sont terrifiés par les ballons. Vous vous souvenez de la semaine dernière. Merci le contre-sort. Ah, courbe-sort, c'est encore mieux. Plus 5, bien sûr. Pas du tout. Très bien. Très bien. Ça peut être compliqué ce qui se passe. Ça peut éventuellement. Alors vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien dû. Alors dans les cadeaux, il y a 3 boosters, voilà. Hein, voilà, c'est comme si c'était rien passé. Oh mon dieu. Medivh contre le prince Malkezar. Où est mon invitation? Ah, c'est fort ça. Attendez, j'ai pas eu la carte là avant. Bon. Vous ne m'avez pas invité. Oui, bah c'est bon, on va pas inviter tout le monde. Après la dernière fois, nous sommes encore en train de réparer le trou dans le toit. Toutes les réalités, toutes les dimensions me sont ouvertes. Mais pas cette fête. Ok. Donc pour l'instant on est tranquille. La triple draw, j'ai bien compris comment ça se jouait. On ne la refera pas. Vérifiez le jeu d'échecs. Les vrais invités vont bientôt arriver. Quand même, ça tape fort. On va faire la rune mystérieuse, ça va mieux se passer cette fois-ci avec la rune mystérieuse, j'en suis sûr. Ah. Si on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ceci. Ah, mais c'est beaucoup mieux, Hearthstone. Voilà.
Je me disais bien que le problème c'était. Monsieur, les médivas sont en place. Bah, c'était pas moi. Ah, parfait. Le mec il tape dans Hogger, il est trop. C'est un ouf. Le mec il est fou, il tape dans Hogger. Il est con. C'est lui qui va revenir. Allez, le dupliquer. La rune explosive. C'est-à-dire qu'on a Wilfried Flopboom. Wilfried Flopboom. En triple draw. Oh. Trop fort avec Wilfried. J'ai pas calé. Oh, c'est péteux. Oh, Wilfried fait que tous mes spells coûtent 0. Trop bien. Non. Ça va, moi je passe un bon moment là. Trop d'animation. J'aime être aussi content d'avoir Wilfried Flopboom. Je vais pas vous mentir, Wilfried c'est mon gars sûr. Sur la game là, Wilfried il m'a. Merci quoi, merci Wilfried. Monsieur, les Murlocs sont terrifiés. Ah, vous nice. Vous venez de la semaine dernière. Ouais. Je vous surveille. Pas trop gentil. Cours de Zoul, il a trop de cartes en main. Tu l'as déjà entendu au karaoké? Il est incroyable! Et il n'a pas incendié la bibliothèque. Non, merci. C'est quoi cette légendaire? Mogor de Zoul, il attaque mes endroits. Allez, la rune explose, il prend rush. Il prend sa barrière. Allez, on triple draw, normal, ok. Merde. Oh, le regard de Nacre. Oh, non. Si, d'accord, si. Très bien. C'est game n'importe quoi, cette game. Elle dure des plombs, c'est n'importe quoi. La paix funeste. Le marcheur. L'immortalité mirror. La rune explosive. Ah, parfait, c'est bon, on l'a eu. Oui. Oui. Et la flamme. Entre chez toi, démon. Tout doudou. Ouais. On débloque les corbeaux enchantés. Et les portails des terres du feu. Et ça c'est cool. Et on va pouvoir bah du coup quitter Karazhan. Et oui. On va devoir quitter Karazhan. On va aller dans Karazhan héroïque, n'est-ce pas? Inutile.
et on va modifier mon jeu. Voilà, on a tous les personnages. On va modifier Jaina. On va essayer de modifier un petit peu ça. On a deux portails terre du feu. Peut-être qu'on peut trouver mieux que le croquis, que le projectile des arcanes, je pense. Peut-être, je suis même pas sûr. Raptor, c'est des limons en moins bien. L'Olfa redoutable, c'est solide. Ah, plutôt gamme des moissons. On améliore notre jeu, hein, bien sûr. Version un peu évoluée. Ok, on a bien amélioré le jeu. Mirror, c'est fort également. Laissez-moi améliorer le jeu. Hein. Ça peut-être. Ça c'est mieux. Ah c'est bon, on est bien. Du coup, le bras de fer, il faut. Ah il faut que je découvre Reco pour le bras de fer. Attendez, je découvre Reco. Ah et puis on a récupéré 3 boosters avec Truce Connector Blizzard. Très bien. Allez, on essaye. J'ai un énorme fusil. Bienvenue dans mon auberge. Ah, 3 paquets. Et 3 modes parties sont une. Très bien, c'est ma quête. On a de l'arène. On va déjà finir comme nos aventures. Ah, on va ouvrir les paquets avant. Attendez, je peux peut-être encore améliorer le jeu. Ah, on a Marin le Malandrin. C'est tout, on a que Marin, le Malandrin. Je prends encore le temps de faire l'arène gratuite. Ne me jugez pas. Oui, Cobalt, ça nous va. Alors, mage. Merci, Lou 69 pour le sub. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas eu le temps de voir si des cartes qui amélioraient mon jeu. Oh. Oh mon dieu, qu'est-ce qui pue du cul lui? Qu'est-ce qui pue du cul? Il pue du cul. Allez, on va quand même le jouer, le roi Sirpire pour l'instant. Manque de light. Puis il peut nous étonner. En vrai, je pense qu'il y a personne qui nous étonner. Plutôt mettre la ruine explosive. Attendez, je crois que j'ai un scarabée qui est strictement mieux. Parfait. On a un gros jeu. Alors, Marmotte, si ça arrive à passer level 20 avec une quête, on devrait faire une quête à 4 ans, je t'en fais le domaine. Non, justement, le but de Biozombe, c'est que Jean Gratuit est un connard. Du coup, n'a pas encore d'amis. Faire la couronne de glace. Allez, on va affronter Jaina. Je vais vous anéantir. Enchanter pour récupérer de la poussière arcanique. Vous pouvez déjà acheter l'aventure, mais j'ai pas acheté d'aventure. Grand malade. J'ai pas acheté l'aventure, j'ai rien acheté du tout. Choisissez bien. C'est que des trucs qui filent. Car ce sont les dernières que vous piocherez. Mes cartes ont trop de puissance. Ouais. Contemplez ma puissance. La puissance, oui. Mmh.
Ah, j'avais oublié ce détail. C'est énervé. C'est un peu énervé quand même. Vraiment. C'est full vénère. Comment ça se passe? La fin de tour. Ah, oui. 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 Votre classement va souffrir. Allez, tenez bon. C'est une trash en fait, c'est ouf. Confiance. La providence vous aidera en ces heures difficiles. Ouais, ouais. Providence de mes de mon fion, ouais. C'est une plaisanterie, et oui, c'est une plaisanterie. Vous me servirez. Ah là là, Isiril, qui essaye de me troll avec Oliège. Alors qu'Oliège part juste en vacances au ski une semaine comme tous les ans. Je suis, bah voilà. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Et dire qu'il y a des personnes qui ont concédé. Défaite ? Non. Never perd. Your hard travail n'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est? Qu'êtes-vous devenu? Championne, ouais. De cette vermine. J'entends les murmures des morts. Très bien. Vous affrontez les meilleurs aventuriers d'Azeroth. C'est parti! Et le voleur est vide. Et le héros défunt. Ok. Qu'attendez-vous pour les provoquer? Ouais, des petits monstres. Tant pis, on la tête. Ah, AFK, la fameuse. Tout, tout, tout. Le palefroid. En espérant, on va le voir, le palefroid, il va tellement carry si on n'a pas le froid, c'est ouf. Il se tue tout seul. Eh oui. Le suicide. Et voilà, nous avons vaincu. Difficilement, nous avons vaincu. Ah, oh, ça booste le pouvoir. Ah ouais. C'est bien. Bon. Allez. On va voir qu'est-ce qu'on va voir. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de full lock. C'est le moment d'avoir Jaina. Et d'être un héros des temps nouveaux. Il s'arrête. Ta-ta-ta-ta. Presque niveau 12. Faut que je sois niveau 20 pour le bras de fer. C'était à l'appel du roi Lich. Oh, nous devons résister. Dommage, j'étais beaucoup plus badass. C'est vieux Medivh dégueulasse. Ah là là, il est transformiste. C'était Medivh qui s'est déguisé en femme, en Jaina. Triste, tellement triste, tellement triste. Allez, on récupère du booster, je crois, ici et ici. La citadelle de la couronne de glace, elle rassemble les plus effroyables de mes serviteurs créés, non pas à partir de poussière, mais de haine. Ok, il y a un booster à récupérer ici, on va le chercher. Ce terrible amalgame d'os à partir des plus effroyables restes. Les cartes en double, oui. Pas de problème. En tout cas, entre Garrosh et le roi pilleur sire de tombe, on va y arriver. On va y arriver. Allez, on va rouler sur tous ces monstres.
on va les mettre en PLS. Personne ne pénètre dans le sanctuaire. Regardez ça. Du maître. Ouais. Il fait quoi ça? Ah oui, Foloteka. Okay. Oh, il joue les cartes de Naxxramas, c'est fort ça. Je sais plus exactement ce qu'il joue, on va voir. Pour le roi Lich. Ouais. Il en soigne. La pression est là. Ouais, tempête d'os. Le track, je sais pas ce que ça me donne. Fort, on va mettre ça. Putain, 30 en un tour, ça va être chaud. La seule issue est la mort. Merci. Osef. Nous devons purifier le puits de soleil. Les trois cas, ça va être chaud. Merci bien. Ouais. Tempête d'or. Ouais. Ah, le roi sire de pompe. En avant. Il faut que je mette 30 en un tour quand même. On va voir. Ouais. Ça va, ça. Moi que ça puis je crois qu'une tempête d'os. Tiens. Fera pas chier. Pioche dans mon deck de merde. D'os. Il m'a mis. Oh merde, j'ai que rune explosive comme secret dans le jeu. Attendez, 5, 10, 13, 15. On n'a pas encore l'étal. On y croit. Il ne 10, 13, 16, 17, merde. Nous avons soif de vengeance. Relou. 5, 10, 13, 19. Allez, sur boule de feu, on le chope. Sur boule de feu, on win. Oh, win pas. Ah, ça setup létal pour le prochain tour, ça. 100% setup létal. Ah merde, c'était plus létal. Ta mère, pardon. Manque délibéré de fun de la part d'adversité. C'est tendu ce game. Corps. Allez. En tout cas, c'est une lutte. C'est une lutte difficile entre un deck de base et un secret du mage. Ouais. Quand même. On va se calmer un petit peu ou ça se passe comment? Ah
On va peut-être l'étale au prochain tour. Oh, la vapeau de l'enfer. On va peut-être l'étale au prochain tour. Osef. 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 3, 7, 12, 14. Ah non, on n'a pas l'étale. Ah maudit, on va y arriver. Je le sens. Je sens qu'on va y arriver. On va le faire. Ah. C'est fort ça. Oh là là, il joue bien en plus. C'est terrible. Les poisseux tout faits. Ils sont bons à grouper. Très bien. Très bien. On aura la fatigue, peut-être. Ah, Marin le Malandrin, j'avais oublié. Au prochain tour. J'avais oublié Marin le Malandrin. Il va peut-être nous vendre du rêve, Marin. Bon. Ça a l'air tendu, mais on va y arriver. Point de dos, on s'en fout. On s'en fout peut-être pas en vrai. J'adore le trait des boules de feu, je pense. Je peux pas me permettre de prendre 15. J'ai rien contre prendre 15, mais ça fait quand même beaucoup en tant que tel. Raptor, on s'en fout, on peut mettre le marin, le malandre. Il soigne même pas, le noob. Et tous pour le top deck. Ok, draw. Il a la fatigue. On l'a mis à la fatigue. Nice. La réussite, elle mettrait fatigue. Piochera 3 cartes pour aller plus vite. Il n'y a plus qu'une carte dans son jeu. Voilà, le baron d'os qui décède. On l'a eu. On l'a eu. Oh oui. Oh oui, on a réussi. Le seigneur Gargamel avec un deck de base. Oh, on l'a gagné. C'est temps du mouillard à gagner. Ah merde, c'est vrai qu'il y a 3 embusqués dans le jeu. Je peux vous mentir, j'ai complètement oublié l'existence qu'il reste 2 embusqués dans le pack. On va peut-être un petit peu se calmer et surtout rien jouer. En avant. Alors. On fout le face avec tout, on continue, on ne lâche rien. J'espère toujours que ça passe. Ah, merci Fabsama pour le sub. 4 mois à la suite. Merci Fabsama. Ah, l'attention est là. L'attention est totale. Pour dire qu'il y a un problème sur Twitch. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'on va voir la fin de Gargamel contre la marmotte ou pas? Le duel est là, total. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Parfait. Ça fonctionne. Merci, Anouane. Et le ping. Allez, il prend combien de fatigue? Il prend 6 de fatigue. Ouais, moi je suis là. Je suis mort au prochain tour en vrai. Hein. Moi je suis pas mort. Il y a... Là, les deux cartes qui restent, c'est deux. Deux trucs nérubéens. C'est
c'était pas si facile que ça. Et on l'a vu. On l'a eu. On l'a gagné. On se l'est fait. Pendant que Flo-Flo, le tueur qui spam un troll. Alors qu'au Liège, je pars une vacance au ski une semaine comme tous les ans et qui espère que je tombe dans le troll alors que pas du tout. Je suis bien au-dessus de ça et la fatigue, on l'a eu avec un deck de base, aucun problème. Puis chut, les rageux qui disaient qu'on pouvait pas le faire avec un deck de base. Y'a pas de souci, c'est la victoire. On va pouvoir passer au deuxième. Le porte-mort sur Rock. Je peux pas le blesser en fait. En fait j'ai rien, j'ai pas de jeu pour le blesser. Merde, bon bah rip. Rip my life. J'ai pas de jeu pour le blesser. Oups. Bon c'est rect. Alors j'ai quoi faire 3 games en mode partie. Alors on va faire 3 games en mode partie. Avec notre jeu du coup. Avec la fatigue, ouais c'est compliqué. J'ai battu le porte-rock. Bien sûr, j'ai battu le porte-rock sans problème. Sans aucun problème. Ah. Vous l'avez cherché. Ah, oh, c'est la guerre. On va garder le golem des moissons. Pour l'instant. Là, nous avons le croquisque, le golem, la rune explosive. Aucun problème. Tout se passe bien. Ok, c'est notre adversaire réfléchit la peur. Normal. Fin de tour. La pièce et l'apprenti. Et à 2-3. Parfait. Le dragon. Des trades, en tout cas un match difficile entre des adversaires qui se rendent coup pour coup avec des cartes niveau 20. Et l'arène, mais après l'arène, on a le temps, l'arène, on a le temps. Je l'ai déjà fait de cet après-midi aussi. Je veux lancer un sort. Ok, le trade. Et le ping. Parfait. Hop, on continue. Élémentaire 2. Le donjon sert à rien de le faire tant que t'as pas la quête qui te file les boosters. Ouais. Nous devons purifier le on booste lui, on fait le ping là-dessus, on va dans la gueule. Car on a un homme smork avant tout. J'en ne traite pas. Et on est free to play, bien entendu. Alors que peut se préférer Jean gratuit? Un drake de minuit, il m'entraîne. Ouais. Oh. Mais... 4, 7, 8, 9, 10. C'est très bien pour le prochain tour. Le but du jeu est Zukia, le but du jeu, le but de ce stream et des prochains streams est une fois par semaine de jouer 4 heures par semaine à un compte free to play, voir jusqu'à combien de temps on met pour le mettre au rang 5. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Nous devons purifier le puits de soleil. Et le ping. Tu le seras au puits. Tu comptes reprendre la condition en pro. Bah, c'est un peu... C'est un peu étonnant comme question, Sinavel, parce qu'il n'y a même pas un mois, j'ai gagné le championnat de France par équipe avec Tarz et Tixuti. Et il y a peu de tournois d'Airstone en un mois.
n'y a tout simplement pas eu tour de Hearthstone ouvert à tout le monde. Allez, boule de feu, la pique. Bon. Ah, l'intel des arcanes. Le bouton, on attaque, le ping, le portail, c'est fabuleux. C'est fabuleux. T'as encore des contacts avec des membres de l'arma avec Odemian et Vince, oui. Et c'est mon adversaire qui a la paix connectée. Oh, un deck miraculeux, créé par le grimoire bavard. Il essaie de nous étonner. Un projo. Aïe, aïe, aïe. Et la victoire au rang 20! On va peut-être pour repasser au rang 19. Oh, l'Union de menace, trop bien ça. Et la rune. Tac, tac et tac. Nice. Ça va très bien, Emerald. Ça va très très bien. Ah! Oh, on gagne des golds. Bientôt niveau 20. Enfin, 13 déjà. Oui, t'as déjà joué Jaina pour le mettre niveau 20. Parce que l'objectif est tout simplement de pouvoir débloquer le bras de fer. Eh oui. Jaina contre Rexxar. Que la traque commence. Vous l'avez cherché. De garder quand même des moissons, il joue chasseur. Mais y a pas de soucis, s'il navaille. NPNP. Nos problèmes, comme ne dit plus personne. Et on a le loup, le golem. Oh, caisse de contrebande. Un adversaire qui aime les bêtes avant tout. Un adversaire proche de la SPA, proche de la Fondation Brigitte Bardot. Un adversaire qui préfère sauver un chien plutôt qu'un être humain. C'est un mauvais chasseur. Un chasseur qui préfère les bêtes aux êtres humains est un mauvais chasseur, je pense. Chasseur étonnant, en tout cas. Enfin, un chasseur qui ne chasse pas les bonnes choses. Peut-être un chasseur de prime, en fait, c'est pour ça. Et badaboum. Allez, compagnon animal. Le trade. Le ping, le face. Parfait. Alors, Fiduzen, toujours en total. Réflexion sur le sens de la vie. Nous aussi de nous mettre un port, ça y est. Il décide d'aller face et trade avec le port, comme tout bon trade. Mes points de vie, trade ma gueule avec le port, comme tout bon chasseur qu'il est. Et comme. On est Jean Gratuit, je rappelle que Jean Gratuit est un connard et qu'il ne traite pas. On ne traite pas le porc. Voilà, on ne traite pas le porc car le porc n'est qu'amour, le porc n'est que bonté, le porc n'est que gentillesse, câlinerie et échange entre les peuples. Il échange sa gueule avec mon groin, il échange des coups de tête contre mon fion et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est bon, tandis que Flo 1, le tueur, retente le troll qui n'a pas fonctionné. Avec Olège qui part une semaine en vacances au ski, comme tous les ans. Et il pense que je suis suffisamment naïf pour tomber dans le panneau. Grossière erreur du viewer français. Ça devient un peu compliqué. On va devoir prendre les trades. Le ping, et cette fois-ci on prend le petit trade là. Ok, grande crinière. Ouais. La grande crinière énervée, hein, quand même, il faut le noter. On va du coup devoir faire un ping sur le grande crinière énervée. Et trade ou ne potiche, mais le blé capoil. Plus de cartes adversaires, on peut le faire. Le +1/+1. Oh.
De plus en plus. Bonne soirée Chamallow, des bisous. On fait le trade là. On va se soigner parce qu'on n'est pas à tant de points de vie que ça. Et on va se préparer pour faire un bon choc de flamme. Larnar notre joyau. Ouh. On est sur du roi crush donc. Très bien. Belle mentalité. On va faire tout ça, hein, tant pis. J'en ai beaucoup de choses. Ah! Ah oui, un loup, dommage. J'ai cru qu'on allait prendre un secret. On va peut-être pouvoir voir la première fois l'animation de putricide de toute sa vie. Pas du tout, double loup. Allez, on met un board un peu solide, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait en face. Et 9, 11, 13. La mer du chasseur. Le trade. La frappe latérale. Et encore un trade. Il aurait dû attaquer avec putricide au début. Ah là, la petite erreur du fil du zen. Qui nous met qu'à 17 alors qu'il aurait pu nous mettre à 15. Le mouton. Pas de double draw. Et l'éclair de givre. Portail des terres du feu. Hello. Oh, et le maxilim. On va prendre le trade et maintenant on a le contrôle du board. Le tir assuré dans ma gueule. Toujours. Et mettre un chien. Également. La double draw, encore une fois. La pression qui se fait sur le compte de Fituzen. Le trade. Et on va dans la gueule, incroyable. Ça va être la victoire. Par-dessus la troisième corde, on va envoyer Rexar dans une autre stratosphère. On va l'envoyer sur la lune à grand coup de pied dans le fion. Ah, il va pas aimer. Oh, le roi Sirpire, je suis obligé de le jouer. Non, ping. Un petit roi serpilleur là à chaque fois. Touk, touk. Le bon jeu. Ils ne s'en relèveront pas. La nuit. Et me récupérons. C'est pas grave, il est mort. Ça n'a aucune importance. Ouais. Et le roi Sirpire. Ouais. Ouais. Tout de doux. Voilà. Et relançons. Et on a 2 sur 3. Oui. 2 sur 3, plus qu'une victoire à faire. Et peut-être qu'on va enfin pouvoir débloquer nos 4. Parce que l'objectif, je vous rappelle, est de débloquer les 4 pour que je puisse faire les 4 tous les jours, vu que je ne jouerai ce compte qu'une fois par semaine. Et oui, ce qu'on espère. Pour marteau du destin. Vous l'avez cherché. Allez, tac tac, T2, T3, on y croit. La fin de tour. On prend le trade.
Yopsiop, ce qui arrive. Bien le bonsoir. Bientôt le portrait gold, on y est quasiment. Pas d'instant, on va essayer d'aller bolosser Rexar, la Kokujin. Il ne va pouvoir qu'exploser sous la force de Jean. Jean sans terre qui va aller récupérer la tente de Thrall pour se mettre d'avant pour l'hiver. Ok. Un peu fort ça par contre. En tout cas, ça joue du solide en face, ça joue du Talnos. Ça connaît clairement les bails. Ça joue du portail du Maelstrom. On va de la tête. Coucou Tarox. Ouais. C'est de coup se créer un compte Amazon Premium pour avoir le mois gratuit, récupérer les 3 boosters, c'est free to play. Bien sûr, vu que c'est gratuit. Bien sûr. Marmotte, c'est quoi tes objectifs perso pour 2018? Voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, Rick, mais c'est un peu long et pas trop le thème de l'émission ce soir. Avec Caress, je ne suis pas avec Caress, je suis avec la team Meldo. Pour 2018. Arès, c'était juste pour les tournois par équipe. Allez. 3, 7, 10. 17. On a l'étal, on va le vaincre. Malgré ces doubles choses, une d'embattre ces légendaires, le portail des terres de feu gratuit. Qui fait le travail et la puissance du Yeti, on va voler cet adversaire. Et ça explose. Et ça explose en face. Comme ça. Pshut. Ça fait pshut, pshut. 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 Gangster, ouais. Evolve, il tente le miracle, il ne l'aura pas. Quand on a gagné. Quand même, c'était pas mal ça. Il est en train de calculer s'il est mort. Il se dit, ah non, je suis pas mort. Là, c'est se dit, merde, je suis mort quand même. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est la fin. Merde. Ah, dommage pour lui. Il a de sa tête, il doit être trop fier. Le pire, c'est qu'il doit être trop fier. Mais je vous rappelle qu'on joue Jean Connard avant tout. Et donc, c'est le moment de réfléchir. Quel doit être le play? Ouh, attendez, que c'est moi, je fais Jean gratuit. On réfléchit. Attendez. La réflexion totale. Ma magie va vous mettre en pièces. Et le létal grâce au coude, regardez, le létal au coude. Le létal grâce au coude. Et voilà, facile, sans les mains. Le létal au coude, facile. Très important. Et du coup, nous avons notre victoire. Les 100 gold. Ah voilà, et la première quête que l'on débloque. Du coup, on a la reine, on a également 200 gold qu'on va aller dépenser dans les paquets Cobalt des catacombes. On a déjà eu le roi Sir Payeur, on va du coup acheter du voyage au centre d'un goron. Pourquoi pas. Aquan, ça sert à rien de me troll avec la dame de pique. Oh, une légendaire! Je veux qui en légendaire? Je veux qui en légendaire? Je veux qui? Je veux. Qu'est-ce que j'ai en légendaire? Elise, allez, Elise, c'est bien. Elise, c'est validé.
C'est de la merde, 400 dust. Bon, 400 dust, c'est bien 400 dust. On est bien 400 dust. Rien de rare derrière. C'est pas mal ce que j'ai eu. On va faire l'arène, elle est gratuite. Ah. On va prendre paladin. Je vais pouvoir lui donner le ladder, c'est parfait. Allez, nous avons une guérison interdite pour commencer. Le reste est un petit peu nul. On a, oh, le vergeon violet qui fait gagner les games à lui tout seul. Car il fait la course à lui tout seul. Nous avons le port qui peut charger. Tout simplement, qui est 6 pour 6, ce qui est correct. Nous avons le djinn bienveillant. Oh non, la nécroratrice, pardon, qui est bien plus fort et qui permet de prendre la value trade. Ça c'est nul, ça c'est nul. Potion d'héroïsme, ça permet de rouer, de sauver une créature, c'est correct. Découvrir un cimetière et donner plus un plus un, c'est correct. Le barman amical, on peut jamais dire non à une bonne bière. Défenseur de but de pierre, on ne dit jamais non à une carte pétée qui donne un Lich King. Nous avons la sombre conviction pour booster un token. Ou tuer une créature adverse. Tyran des arcanes, oui, oui, oui. Oh non, plutôt ça, si on attaque contre une créature, c'est plutôt correct. Consécration, c'est bueno. On a un robot de sang corrompu, c'est solide également, ça fait une bonne créature pour 6-6. Deuxième sombre conviction. Un champion solitaire ou un moine kobold? Moine kobold, j'ai 3-6, les stats sont corrects. On a l'ultrazor qui fait aussi gagner par game. On pique l'ultrazor. On va rester aux ténèbres. On va vers Tunnelier Forever. Mon bro. On va plus en aux autres serviteurs. Allez, ça reste bien. Ouais, on alliance 6-6, c'est bien. Le maillon identifié, on valide. On a chef Ura numéro 2. Ouais, baby. On aime les ports à moto, c'est badass. On a le faucon dracon. On a la béné des rois. On a le maillet non identifié number 2. La potion d'héroïsme dans le snapper number 1. Le deuxième robot sans corrompu parce qu'on a un thug. Ouais, il y a ces deux créatures pour le prix d'une. Un amasseur de buts, un djinn bienveillant, j'ai rien pour rendre des points de vie. Une épée de justice. Et le maillon notifié. Et normalement, oui, je serai à la DreamHack. La réponse est normalement que yes. Bon. Uther contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Je combattrai avec honneur. Bon, on a le T3. Moine Cobalt. Regardez le Moine Cobalt. Très bien. Ouais. Et la fin de tour. Et on est truc. Oh. Bon, la vase corrompue. Vas-y, elle est bien la vase. Elle est solide. Très bien. Yop Clark. Yop l'irrespect. La pièce élémentaire. Ouais, le barman. Allez, va pour un barman. Tant pis. Il arrive un peu en retard. Un peu out curve, comme on dit, mais c'est pas grave. On gardera la nécroratrice pour plus tard. Le soleil. Le soleil vient de top des quais.
L'adversaire est corsaire, ça fait chier. En plus, ça va, c'est bien de prendre le Mousseleur avec le token. Au pire, je fais le token Mousseleur sur le T7 et du coup, je tue toujours une créature. C'est comme avec le Shaman, ça passe bien. Ouais, il est chaud quand même. On va mettre notre 6-6. La vase corrosive 6-6. L'adversité est chaud. On a pris la 1 mana de moins que nous. Merci Jundas Wall. Que des bisous. A toi. Diableton Malcazar. Oui. Il y a beaucoup de créatures, mais on n'a pas peur. Hello. On prend double trade, on s'en fout. On a peur de rien. Bon, ça sent le 1-0. Ça sent. J'ai cette odeur de 1-0 en tête, elle est incroyable. Allez, hop. Oh là, là elle est là, elle est dans mes narines cette odeur d'un zéro. Oh le lac est possédé. Oh. Oui, ça peut être violent ça. C'est full RNG par contre. On va le tenter. Très bien, donc on est très content de pouvoir faire ceci. Ceci et de faire une value infinie comme cela. Parfait. Voilà, la nécroratrice qui carie de ouf. Mais genre, te maxi ouf ici. Ouais. Ouais. Que champion solitaire, pas de problème. L'inventaire de flammes, pas de problème. Ah, le clan. Pas ouf. Pour la justice. Par les racines et les lianes, je lirai votre. Première fois que j'ai cette animation, cette carte. Comment sont passés les trois tournois simultanés de ce week-end, je suis passé en 16ème de finale de Cross Maga, je joue ce samedi. Shadow Vert, j'ai fait top 24, faudrait que je perde au prochain tournoi. Et Hearthstone, j'ai perdu au 6ème tour. Et c'est rebelote ce week-end. Alors, on va pas te tuer par contre cette fois-ci. Oh. Oh. Bah, j'aurais pu faire le token avant. Mais à coup de pas, j'ai oublié un bouclier divin sur un token. Je suis nul. Je suis désolé. Ouais. Oh le diablosaure, il meurt. Ah, un tauren. Quelle innocence. Il a tout donné. Mais il est mort. Ah, on débloque les champions d'un vrai argent paladin, ça fait plaisir. Bien joué. Merci. Ouais. Encore ouais. Ah. Uther contre Garrosh. La victoire ou la mort, je combattrai avec honneur. Bah.
Je crois que j'ai une thématique. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai une thématique. Là, là, là. Je sais bien, j'ai été maillé toutes les couleurs. C'est meilleur qu'en ciel. C'est qu'une bonne RNG, Hearthstone. Bonne RNG. Que des bonnes cartes. Ça, j'ai eu que les meilleurs. J'ai eu tous ceux sauf provocation. J'ai eu que les bons. Tant mieux. Un scarabée. Un scarabée. Allez, on pose son voix de la tête. Qu'on va avoir maille à partir avec l'adversité ici. Pas de problème. What else? Ah. Ok, la pièce. Une lame de sang. C'est un peu chiant ça. Parce qu'il va refaire une lame de sang au prochain tour. C'est carrément relou. C'est pas grave, juste faire ça et ça en mode sneaky. On garde nos 22 maillets pour plus tard. On garde nos 22 000 maillets pour tantôt. C'est bien ça. C'est bien de ouf. Alors. Allez. Quoi encore ? Zoro qui continue à réfléchir. De ouf, Zoro il est en réflexion là. Il est fan de One Piece et ils n'ont pas compris que le vrai Zoro il bougeait. Ok, ça va face, il va taper dans la 2-3 derrière. Voilà, le plays. Et du coup, il tape à 7 avec son vilain monstre. Un flamme. Ok. Ah, et du coup, c'est parti pour le maillet. Les 2 à 1, le truc, on tape là-dessus. Comme ça, on pourra prendre 8 au prochain tour, ça nous fait plus plaisir. Ouais. Tu vas au l'événement Arma Team versus ce week-end. Pas du tout. Ok. Ok. Ça fait mal. Alors, on peut avoir bouclier divin. Surtout, ce qu'on va faire, j'en prends le trait de là. On fait ça. Le bouclier divin à tout le monde, ça permet de prendre le value trade là-dessus. Très bien. On dit quoi ? Encore et toujours. Allez, Zoro. Un élémentaire de flamme, oui. Ouais. Jean Demers, c'est solide Jean Demers. Il a un jeu solide en face, mine de rien. Ça rigole pas trop. Ça rigole vraiment pas trop. Son jeu d'arène là, il... Après j'ai double sombre conviction qui peut faire le taf également. Allez.
Il va, je pense qu'il va dire que les traits c'est pour les faibles. Ouais. Ouais. Il va mettre deux, je pense. Ah, à moins qu'il fasse un trade. Ça me va aussi ces trades. Ok, trade. En tout cas, les stations sont palpables. C'est bon. Il suffit de palper les stations. On va essayer de découvrir un serviteur. Et là, Big Game Hunter. Diantre, pas du tout. Ouais, c'est chaud. Tu feras plus de tournoi ma team. Bah si je suis pas invité, je... Genre j'ai pas un tournoi ma team si je suis pas invité si je joue pas. Comme j'ai pas un tournoi Game Origin, je suis pas invité si je joue pas. Ouais. Ouais. Et le cube, Nirf. Double géant, c'est moi ou c'est relou? C'est relou, on est d'accord, hein. Au combat! Au combat! Pour la justice! Au rapport! Allez. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15. On a 15 au prochain tour. On y croit. Je sais pas comment, mais on y croit. Ouais. Ok. Vous êtes sur la liste. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas compris le play. Je sais qu'il faut que je top deck. Et j'ai pas top decké. Je veux dire, je sais qu'il faut que je top deck et que je n'ai pas top decké, mais j'ai pas du tout compris le play adverse. Et c'est malheureusement le décès. Un partout dans cette arène de l'enfer. Ah, j'aurais dû full face pour ma quête. Dommage, j'aurais dû full face pour la quête. Petite erreur d'expertise, la francophonie. En tout cas, je suis déçu, ils m'ont pas filé d'armes pour Cobalt des Catacombes. Je suis triste. Ah. Oui. Je dois protéger la nature. Je combattrai avec honneur. Et parfait. Et du coup, on a plus un plus un. Parfait. Ah, on a le vertu nul. On ne peut pas perdre. Ouais. Très bien. Allez, hop là. Mon petit monstre. Tu l'auras pris une reco, d'accord, bah je ferai une reco. Yop Nicolas, hello, je ferai une... On a chien Brachiosaur et c'est très bien. Ok, le mec il est chaud, bon il va mettre un coup de furie des vents, il fera moins le malin lui. Un coup de maillet béni, pardon.
et il arrêtera de nous enquiquiner. Voilà, un trade, deux trades, parfait. Double trade, on prend les dents de la gueule, on pourra mettre le vertunulier et tout le reste. Est-ce que tu as des cartes inutiles? Oui, bien sûr, je vais désenchanter mes légendaires inutiles et tout. Attends, le but c'est d'avoir des jeux et de monter un petit peu, c'est pas de garder toutes les cartes pourries du monde. Le comédien pompeux. Bien sûr. Le trade. La tête. Et le vertunulier du T4, bien sûr, c'est ça qu'on aime. Et le fameux vertunulier du T4 qui déchire. Na. Ouais, la ligne 07 qui ne fait rien. On va faire notre robot de sang corrompu et prendre le petit value trade. On n'est pas pressé, on est tranquille, on va le faire. Ouais, en mode, il vaut mieux jouer carte en avantage quand on débute pour montrer les gens de jouer avec un deck aggro et mettre full card au board. C'est plus facile en fait, moins tu prends décision, moins t'as chance de faire d'erreur. Donc prendre un deck aggro qui full face, t'as moins de chances de faire d'erreur qu'un deck où tu dois réfléchir. Où tu dois prendre des décisions régulièrement et tout. C'est quoi tout dedans pour monter? Ah, ce sera certainement un match secret. Parce que j'aime bien le jeu. Et qu'il est... lunettes. Oh merde. Allez, le marche soleil 5-5. On va full smart. Parce qu'on rigole zéro. Un deck chasseur midrange aggro est pas plus correct qu'en low cost. Non, parce qu'il te faut des gentils grand-mères, des trucs de Karazhan. Alors que le match secret, t'as 0 carte de Karazhan. Voilà. Et t'as pas beaucoup de t'as, comme je dis, t'as pas de légendaire en fait, à part la lunette. Ouais. Oh. Ah ouais. Et l'adversaire qui ne calcule pas, qui pouvait éviter le létal, terrible erreur, et il meurt. Je crois qu'il a pas suivi qu'il pouvait éviter le létal. Il y a les valets. Ah, il y a les valets. Bon, tu joues sans les valets. Oh, presque niveau 4. Bon. Ouais. Bon. Uther contre Uther. Je combattrai avec honneur. Je commanderai la lumière. Regardez la nécroratrice pour faire des petits traits et se mettre tranquille. Se mettre bien, faire les choses bien. Et ça, on peut le faire. Oh, lumière dans les ténèbres et la fin de tour après, à la cool. Ouais. Je sens l'odeur du sang. Les murs des ténèbres et lui rend des points de vie, c'est cool. J'aime. Ouais. Le champignon. Gros jeu de mots d'ailleurs, champignon. Allez, on a une 4-4. Un 2 taunt, c'est bien, ça prend le trade là, il a pas de trade facile. Correct. Cool pour nous-mêmes. Est-ce que tu penses qu'un ancien deck genre Axis Control peut encore fonctionner? Nope. Coucou les Stadus. Hello. Le crâne de Malaris vaut le coup de l'intégrer dans le deck locaux démoniste pour monter les jeunes que t'as montré. Nope. Pareil, il sert pas. Si tu joues pas de Seigneur du Vide, le crâne de Malaris n'est pas utile. Quel trade. Ah. Je n'ai peur de ah.
sauf des souris. Allez, on va prendre le soin. On aura un vert tunnelier dans les prochains tours. Le vert tunnelier qui sera directement fort solide. Et qui permettra de faire des choses plutôt ultra cool. Laissez-moi réfléchir. Ça traite, ça va là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de shot, bien sûr. Pas du tout. Il traite comme ça, on s'en fout. On a le truc principal qui est qu'on va pouvoir jouer notre vert tunnelier. Fais juste son token, on a notre vert tunnelier. Pas très gentil, monsieur. Ouais, allez, on a notre 5-5. Pour l'instant, on va lui mettre tout son board dessus s'il veut nous le clean. Et ça, c'est cool. Ça, c'est maxi cool. Alors. Ouais. Aïe. Je fais le mec qui fait aïe, qui souffre. Aïe. Donc il a rien fait. Ça c'est cool également. Je peux faire ceci. Prendre le trade là. Et on est sur un. De ouf. Je crois qu'on est sur un de ouf. Ouch. Aïe. Et du coup, un serviteur. Donc, il restera toujours avec ses cartes en main. Pour l'instant, je vais voir la charge avec. Et là, pour aller chercher le monstre. Aïe. Tant de taunt. Identifier. Provocation à tout le monde, c'est bien de la daube. Allez, c'est histoire de dire que. On a mis une présence. On a la provocation. Ouais, c'est que pour le tour, ça, c'est vrai que c'est pas tout le temps. Change pas grand chose, c'est dit, il aurait fallu les deux dessus, quand même. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Je vous le dis, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Ouais. Ah, ça c'est relou ça. Ouais. Aïe. Force ça. Pour la justice. Allez, on grid un petit peu. Espérer qu'il n'y ait pas un truc et qu'il nous tue surtout pas. C'est tendu. Ah, c'est, là c'est compliqué. Ah, elle est compliquée. Ah, c'est. Ah, il l'a aussi. Il me la met. Ouais, super. Il a aussi la pièce. Génial. Comment on est censé se sortir de ce merdier infini? Pas comme ça. On va toujours regarder les points de vie. En même temps, on va reprendre 14. Aïe.
Voilà. Voilà. Bon, on s'est fait rouler dessus, on peut le dire. Voilà, on va mettre 2 points de dégâts pour le plaisir. D'avoir mis les points de dégâts au joueur adverse. Et c'est tout. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Ça ne va pas du tout. Oh, j'ai gagné les 2 consécrations. Allez, le mec il vient me tailler. T'as un dégât de plus et tu dégages. J'aurais fait ça. Un petit truc de plus et tu dégages. Et hop, tu prends la porte. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Concrètement, ce qu'il est en train de me dire. Que je vais bientôt dégager parce que je suis une sous-merde. Bonne ambiance. Contre troll. Pour marteau du destin, je combattrai avec honneur. Ok, le champignon, robot et le barman. Hop là. Kourou, j'hésite. On n'est pas un mec sympa, on dit pas bonjour. Le mec qui dit bonjour, on lui crache à la gueule, parce qu'on est comme ça. On n'est pas là pour se faire des potes. À aucun moment, on est là pour se faire des potes. Faut s'en rendre compte. Bon. Quelle erreur. Je ne peux pas faire ça. On peut lui dire bien joué. Et très bien. Ouais, je m'y mets tout de suite. Il y a un éclat glacier. Bon. Descendre aux cendres. Ouais. Voilà, merci Satiruto, le sub. Étonnant, incroyable, fabuleux. Merci Satiruto. Plus qu'étonnant, mirifique. Ouais, full face. Plus sec. Très bien. Au combat. Bon, le smork en fait, tout simplement. Je suis en train de réfléchir, mais en fait le seul vice c'est le smork. Parfait. Ok, il fait ça, on s'en fout, il a 9, je crois. On va le bourrer. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Essaie de s'enjailler. Il a pile poil 6 cartes. Oh non, il a plus que 5 cartes. Quelle déception. Oh, le maillet. Parfait. Bon, le maillet qui donne le taunt, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est qu'on va dans la gueule. Parfait. Incroyable. Hop.
Bon. Alors. Uther contre Malfurion. Je dois protéger la nature. Je combattrai avec honneur. Honneur et le défenseur et le vertunilier qu'on garde au départ. Bon. Un tour. Bon. Fin de tour. Ouais. Bien. Parfait. On veut le 12-2, on va y arriver. On va arriver au 12-2, on va arriver. Je vous assure. Je vous assure, on va arriver au 12-2. On est sûr. Bon. Aïe. Allez, cul sec. Bon, mais ça, c'est très bien. Puis on boostera des créatures et tout. Pour l'instant, il fait rien. C'est exactement ça, Gérard Pinard. C'est exactement ça. On va finir ce qu'on va faire 12-2, bien sûr. C'est l'évidence. Le 12-2, il va arriver. Il va aller tout droit. C'est l'évidence, c'est évidente. On ne craint rien, on n'a aucun risque. Ah! Une guêpe géante, très bien, la guêpe géante, le lame. Voilà un petit peu chiant, on va pas se mentir, heureusement, pour aller la chercher avec notre arme ou autre. Allez, on met le défenseur. Qui nous donne un défenseur. On aime la défenseur Steption, on fait les fins de tour. Très bien. Bon, ouais. C'est demi-chiant. Bon. Bon, ouais. Et ben, on a un gros vertunelier. Mais qui sera encore gratuit plus tard. Donc, on va avoir notre 7-7. Ce sera très bien. Bon. Alors, on peut te demander un ami sur le compte joueur gratuit. Bah non, ce serait de la truche, on gratuite un connard, il n'a pas d'amis, mon cher Nicolas, il doit relancer les quêtes à 80. Parce que c'est pas encore fait d'amis in-game, genre connard. Et en même temps, vu tout ce que mes adversaires m'ont mis, ce serait pas étonnant, je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors, le tigre astral et non pas spectral, faut pas que je confonde avec Magic. Ah, moi, il a fait ça là-dessus, pour que je puisse toujours le trade, c'est fort généreux de sa part. On a la nécroratrice, qui nous met le trade, comme ça, ok, elle aime poser. Et on a le droit à notre petit vertunelier félicitis des familles. Et ça sent le 4-3. La 4-2, pardon. 4-3, c'est terrible. Ça sent le 4-2. Et le bolossage adverse. C'est parfait. Bon. Parfait. Alors, le destin. La toile du destin. On s'en fout de la toile du destin en fait. Vu qu'on va aller dans la gueule de l'adversaire. Oh, il a 6 cartes en main. Oh mon dieu, c'est incroyable les 6 cartes en main. Pourquoi il a fait ça? On trade là-dessus. On va aller full face. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'on a le port. 7-7 qui charge. Avec la meilleure phrase de tout Hearthstone, filet mignon. Phrase qui a une value infinie. Bon. Alors. Oui.
Je me demande. Pourtant, on n'attend personne. Ouais. Ah. Bon, il essaye encore de survivre, il devrait pas y arriver, je pense, en tout cas pas longtemps. On fait une lumière dans les ténèbres. Le grizzly. J'aime ça mon grizzly non plus, grosse émission. Un Sogod qui rampe, on met un grand coup de vertinelier dans le groin. Que faire? Ouais, le volcanosaure. Bon, bon courage Nicolas, good luck, good luck. As-tu quelque part des clotos pour Shadowverse? Il faut regarder les l'émission qu'on a fait avec Ken Bogard, il est pas riche, peut-être sur YouTube de Ken Bogard. Sinon sur le uniquement sur le Twitch de la JVTV m'a fait faire un peu des archives. Pour le coup là. Et voilà voilà. Et on va face. Olé. Ah, et on a la thune. Est-ce qu'on peut acheter... Ah, toujours pas acheter un booster. C'est quand même... On va sortir récupérer. C'est quand même pas très généreux, Hearthstone. Parce que j'ai débuté là. Et je suis déjà en mode, faut que je fasse mon arène. Et après, il faut faire mon ladder pour avoir des boosters. Ça, c'est quand même pas... C'est quand même pas ultra, ultra... L'auberge est toujours ouverte. Ah, les trois paquets de kobolds des catacombes. Oh, la sorte se lance. Et ah, si, quand même, voilà. On commence cette virée en donjon et gagner 10 parties, c'est bon. On récupère quelques quêtes en relançant, quand même. Où sont mes trois paquets? Je devais pas avoir trois paquets. Attendez. Bonsoir, ceux qui arrivent. De rien quoi, des bisous. Faut relancer encore une fois, on relance. On faut relancer, très bien. On relance une dernière fois, bon, bah relançons. Parfait. Non, très bien, on relance. Bienvenue dans l'auberge. Ah. Et on a nos trois paquets de kobolds et catacombes. Gras, commune. Oh nice, ça vaut la poussière ça. Ouais. T'as fait le bras de fer, j'ai pas encore un personnage niveau 20. Je peux pas le faire pour l'instant. Allez. Bon, deux communes dorées, c'est pas mal. Enfin, bon, du coup, d'erreur de merde, du coup, deux communes dorées, ça c'est pas mal. On va continuer l'arène. Allez, 4 dons, on va continuer l'arène. On tente le 12-2. Pour se mettre bien. Allez, on y croit, on y croit.
Je combattrai avec honneur. Je commanderai la lumière. Marmotte, les replays de Liparé sont sur le site de jeuxvideo.com. Ce sont des liens vers le replay de Twitch. Merci Bob Leglan. Si tu l'as, n'hésite pas à mettre le. Si t'as le lien sous les mains, n'hésite pas à le balancer. Parce que moi, je ne l'ai pas. Est-ce que t'as entendu parler du jeu de Leclerc, Lord of the Rings? Oui, bien sûr, j'attends qu'il sorte. Avec impatience. Et la fin de tour. Parfait. Avez-vous besoin d'une bénédiction? On fait ça très bien. Bonsoir Kokichi, des bisous, de l'amour, bonne nuit. Bouclier divin, c'est correct. Ça permet de prendre double value trade, le vert tunnelier qui pourra arriver au prochain tour vraisemblablement. Parfait, on aime. Petit vert tunnelier T4 avec la bénédiction du roi, ça va faire pouf pouf pouf. Ça va faire pouf, un feu d'artifice dans la gueule de Fox qui va être fort déçu. Et Marie quand il l'aura pris dans le groin. Le lézard tonnerre, ouais. Voilà, du coup, regardez ce bon vieux trade. Et qui est-ce qui arrive dans la place qui est posée? C'est le vert tunnelier. La 5-5, on va lui mettre une béné des rois. On va taper à 9 et dans 3 tours, c'est gagné. C'est annoncé. Ah, on a perdu dans la jungle. Je peux sentir le mal. Ah, ces cartes toutes pourries. Allez, béné des rois. Diantre, quelle infamie, un noble sacrifice. Mourez. Ah. C'est fort ce qu'il vient de me faire quand même. Bon quand même. Bon quand même. Ouais. Ok. Alors c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Heureusement il a mis play. Oh. Hello. Hello hello. Ouais, quand même. C'est pas que ça se passe mal, mais c'est un peu aggro avec l'adversaire. On a une carte comme ça au moins pour tanker un peu. Ouh, et l'ami Tyrion qui va venir nous sauver les bollocks. L'ami Tyrion qui va venir nous sauver les bollocks au prochain tour. J'espère. Ah. Oula, marmotte. Bon. Heureusement qu'on a un booster gratuit. On en passe niveau 6. Youpi, avec humilité. Ouais, ouais. White Jock, c'est un compte feu te peu. Free to play. Allez. Oh, bon travail. N'hésitez pas à retenter votre chance dans l'arène. Rare. Allez, on va prendre un. On va prendre un booster. Murmure des dieux très anciens, ça débloque Toon si je dis pas de conneries. Voilà, c'est ça, ça débloque Toon, les annonciatrices. Rare.
On se chope une épique, ce serait bien désenchanté. Ok, donc il nous reste quoi comme quête? Le seul quête qui nous reste, c'est Kobold et Catacombes. On va commencer une virée en donjon. En avant. On a fait tout le reste, hein, dans tous les cas. Couronne de glace, on n'y arrive pas. On va commencer ça. Alors, je connais un petit peu, hein, allez. Je connais vaguement, on va prendre druide tranquillement, ça va aller vite. Je connais plutôt pas mal. Comment ça se passe, hein? Putain, je reviens pas du tel qui m'a mis sur le T7, on l'a pas fait. Je dois protéger. Ah, je prends en mode speedrun. Alors, lance tout ça et un speedrun de ouf. Bon. Allez. Aïe. Le donjon c'est le best pour monter les classes. Avant ah bon, ça booste les classes le donjon. J'avais oublié que ça montait les classes. Mais à coup de pas. Oui. Tu comptes monter les gens à la fin du mois? Pas du tout Zico. Justement le but c'est de ne pas farmer le jeu. C'est de monter. C'est pas de monter les gens avec le jeu. Parce qu'en fait le temps de jeu ne me le permettra pas. L'objectif c'est en fait c'est de jouer avec un temps de jeu d'un joueur classique, de quelqu'un qui n'est pas un temps de jeu infini sur la stone comme je l'ai, et de ne jouer le jeu que 4 heures par semaine. Je ferai juste les quêtes en plus et c'est tout. Mais le jeu n'est clairement pas une velléité de spam à l'infini Hearthstone, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je serai jamais légende avec ce compte. L'objectif c'est de le monter jusqu'au rang 5 et en jouant 4 heures par semaine, voir combien de temps ça prend. Par curiosité. Allez, on le face, tranquille. Alors la fin du mois c'est impossible. Je sais pas, honnêtement j'ai même pas envie de savoir je pense. Ah ça monte, ouais. Putain! Aventurier classique. Oh, ouais, 25 boss! Gros trésor. Écoute, un de plus en plus. On a de la jade, parfait! Hop là! Je regrette vu que tu conseilles de regarder la vidéo de Best Marmotte sur YouTube, ça mec bien, je confirme. Il est un peu soupolé des fois, mais en même temps c'est parce que c'est un nain, mais quand il est pas soupolé, ça mec vraiment au top. Par contre, quand il est pas soupolé, il est très grognon. C'est une marmotte très très grognonne quand elle est pas. Quand elle est soupolée. Mais bon, ça, c'est comme ça. Pas grand chose à faire. Très bien. Ouais. Corbeau enchanté. Monstre aussi devenir plus fort. C'est beau ce qu'il dit. Mes préférés. Oui, oui. A-t-il fait le bras de fer? Je ne peux pas faire le bras de fer par cœur. Pour faire le bras de fer, il faut un personnage niveau 20. Et je n'ai pas de personnage niveau 20 pour l'instant. Allez, on va encore de la gueule, on continue de s'arrêter plus. Très bien, encore on prend des points dégâts. Le bombardier fou, la folie, la hype à son paroxysme, le bonheur dans les studios et dans les cœurs de tout le monde. Et ça explose en face. On aime. Ouais. Ouais. Bon, on va prendre conscience de mana, c'est très bien, on va dans la tête. Oh. Il va pas. Ouais. Malfurion contre Givrepoil. Givrepoil. Ouais. Protéger la nature. Satané Kobold, je vous avais dit. Oh, mais qui voilà. Hello. Ah, glyphe de sauvegarde. Allez, rien à jeter. Hein. Et après, sur l'enchaînement, la croissance, l'ombre de Naxxramas, ça va tout droit. Boum. On ne pourra plus rien faire.
Hop, on fait ça. Parfait. Un éclaireur murloc tout pourri. Ah, on passe de sa gueule. Ah, un éclaireur murloc tout pourri. Allez, on met l'idole de Jade et l'ombre de Naxxramas. Le coquillisque. Le point. Le raptor. On prend le trade, on prend le trade, on va face et on déroule. On déroule. On... Coup de mage. Bonsoir à toi. L'explosion. Ah non, explosion des arcanes. Terrible. Terrible puissant. Libérer la bête. Unleash the combattant sauvage. Je les maîtrise tellement ces dungeons. Je veux dire ces dungeon run. C'est tellement bien, c'est tellement vite, c'est parfait. La boule de feu. Le mec il est chaud, il se croit fort alors qu'il n'y a plus personne en face, la victoire. Du coup, d'être un jeu mobile sympa ou pas? Ouais, Rain. Je n'ai jamais joué, c'est pété. C'est pété, Rain. Mais ouf. Oui, encore un niveau. Ouais. Merci. Hein, les trois draws. Les crocs de Jade avec les trois draws incroyables. Like Drin, on joue aux sombres graines. Sans problème. Mauvaise graine. Très bien. Je dois protéger la nature. Une créature malfaisante se terre par ici. Allez, croissance gardien. Parfait. Oui, Marcelino. Eh oui. Oui, tout à fait. Allez, tac, et la fin de tour. La racine. Alors, croissance sauvage. Les mains grouillant. On prend le trade avant qu'il fasse grossir tout le monde, c'est trop relou, sinon. Aïe. Coucou Funstar. Enfin, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Et l'ombre du Naxxramas. Une carte pour remplacer la nage ou mage contrôle. Izera, Lich King, une carte late game qui te fait gagner. Tout bêtement. Raptor de monde, pouvoir héros, on tempo. Pas de problème. Ouais. Le clip peut pas attaquer, on balance le taunt, on va face, on rigole 0. L'évolue, ouais, 2-6 qui est useless. Ah, plus envahissante, une plus envahissante, ça va, c'est autorisé. C'est pas trop cancer, on s'en fout. Et il trade deux fois. Et ça fout. Full trade, donc on fout le silence et on va dans la gueule, nom de nom. Yop, pourquoi? Yop, Pyrgazas. Oh là là, merci Arca97477 pour le sub. Incroyable, merci. La folie dans les studios. Le hype, le du hype. Tu fais le donjon avec un nouveau compte pour un event, c'est exactement ça, je fais le donjon avec le nouveau compte. Parce que ça file des boosters, tout simplement. Ni plus ni moins. C'est bon l'œil. On l'a eu sans souci. Combien de temps ça va durer? Vous ne voyez pas les ombres.
mais elle vous voit. Et bah, sa victoire. Et parfait. Voilà. Et voilà. Yes. On gagne encore un niveau. Parfait. Et des rugissements sauvages. Allez, 3 sur 5. Va-t-on réussir à finir encore du crowdjot? Je pense qu'on aura le temps de finir le run avant. Enfin, la fin du stream. Pourquoi nouveau compte? Pour le plaisir, pour se donner un peu un défi, pour voir combien de temps je mettais avec un nouveau compte. Combien d'heures de jeu il me fallait avec un nouveau compte pour monter rang 5. Voilà. Le principe de speedrun donjon permet aux joueurs d'obtenir quelque chose. Rien du tout. C'est pour le plaisir. C'est pour essayer d'un peu jouer à Hearthstone différemment, tout simplement, et pour un petit peu changer. Parce que juste faire du ladder, et c'était intéressant, possible. Voilà. Si vous voulez, je fais une vidéo sur Torque et Marmotte, où je mets planning, un petit peu explication. Ça tourne bien, ça tourne mal, tout ça, et comment chanter. Plus de puissance, Mister Zulu. On va face, et basta. Ouais. Marmotte, tu traceras la barbe un jour. À 1000 subs, on y pense. Je profite qu'Hélène Wendorm pour dire ça, sinon elle aurait râlé. Non, je sais pas. Bon, à 1000 subs, on peut négocier. C'est bien, je dis ça, comme ça je suis tranquille aussi. Allez, la tisse-flamme. Et on va full face. Tadam! Jean gratuit, ça fait très jv.com. Ah, c'est pas faux. Je pense que ça fait plaisir de trouver une vidéo avec Torque pour Typical BO3. Bah, on n'a pas de studio et je vois mal Torque aller à Levallois pour tourner. Voilà. Pour tourner une vidéo, donc je pense que c'est. Repousser à Carpe Sine Diem. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, ça faisait classe. Très bien. Ferais-tu un jour des héroïques des campagnes Elder Scrolls Legends? Je ne pense pas, Funstar, honnêtement. Encore plus de puissance, plus. Hop, hop. Très bien. Latisflamme. Et intelligence d'arcane. Hop. Et le létal au point près, fabuleux. On pourrait enregistrer chacun de votre côté, enregistrer chacun votre cam. On pourrait. Mais on ne le fait pas. Et éclat lunaire. Ah. Nul. Nul. Râle d'agonie deux fois. On va le faire quand même. À prendre défense naturelle. C'est pas que ça passe, qu'on a assez de jade. George Karl, tu reprends encore la compète déjà? J'ai déjà repris, pourquoi? J'ai déjà repris la compète, c'est que je vais m'arrêter la compète en fait, parce que fin décembre il y avait le championnat de France de par équipe que j'ai gagné avec Tars et Tuxoti. Et depuis début janvier, je n'ai pas raté la compète, que ce soit sur Shadowverse, Crossmaga ou Hearthstone. C'est juste que c'est uniquement des tournois online. Mon prochain tournoi offline sera d'ailleurs la semaine prochaine, le tournoi Gamer Origin. Qui aura au théâtre de Paris. Il faudra que je tweete d'ailleurs demain à ce propos. Voilà, voilà. Le glaive de sauvegarde. Râle de glaive de foi. Et hop là. On va face. Thank you.
Allons, pioche, on est comme ça, on est un ouf. Oh, la baguette, incroyable. Trop forte, la baguette. Rappeur. Allez, El Famoso baguette. Oui. 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 Parfait. On fout le smorgle, monsieur. Consécration. Ouais. 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 Voilà pour vous. Un problème ? Je n'ai pas d'acier. Bon, on a gagné. Facile. On va pouvoir avoir le temps de finir le run tranquillement. Yop. Oknopeman. Ah non, merde, c'est vrai qu'il y a deux côtés. J'avais oublié qu'il y a deux côtés. J'ai complètement oublié qu'il y avait deux côtés, ce boss. Je sais pas pourquoi. Très bien. Ça fonctionne, genre gratuit, bien sûr, ça fonctionne très bien, on est déjà rang 19. Rang 19 déjà, en moins de 4 heures, on va commencer à avoir un jeu correct pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine on pourra monter rang 15. Peut-être même plus. Et la victoire. Très bien. George et Karl, boss numéro 6, on les a souillés. Et on progresse avec Mulfury. Allez, 5 trucs de gobelins catacombes et vaincre 10 boss maintenant pour le dernier booster. Croc de Jade, Forever. Le maître voodoo. Le maître voodoo, Michael B, bien sûr, pour les intimes. Michael Magdal, Michael B. Malfurion contre le maître voodoo Oxyr. Je dois protéger la nature. Faire vaudou aussi. Voilà. On relance tout. Il n'y en a rien pour l'instant. Terrible. Ouais. La fin de tour. Travail terminé. On va même pas attaquer, parce qu'on le respecte. Allez, et fin de tour. C'est quoi le montant du premier cash prize que t'as gagné? Du tout premier cash prize que j'ai gagné, c'était la Gamer Assembly 2014, ça devait être 600 euros, je crois, le tout premier cash prize. Je sais, ma mémoire dit pas de bêtises, c'est ça, une vraie goule. On va dans la tête et hop. Voilà la double cri de guerre partout, c'est fou. Être mortel. Ouais. Et allez, on continue. Trop pété. Non. C'est problématique, j'ai plus de place, j'ai trop de créatures. Ah là, vraiment, Hearthstone, ça a changé. On a le létal ou pas encore? Oui, on a le létal, 100%. La flemme de calculer, on a le létal, un boss 7 qui était complètement gratuit. Parfait, très bien.
et la canonnière. Oh, le tour supplémentaire, le croc de jade, et nous avons le boss final, Vulastraz l'Ancien. Malfurion contre Vulastraz l'Ancien. Je dois protéger la nature. Montrez-vous, misérable voleur. On s'en fout. T1, T2, T3. En avant. En avant. Et la dernière victoire, le dernier booster à la fin de cet épisode. De la gratuité. Peut-être. Oh, la petite baguette qui va nous carry. Et non, je n'ai pas pu choisir le bras de fer car il faut être niveau 20 avec une classe. Je ne le suis pas. Ouais. Ah, ça va. Non, ça va pas. La force obscure de la sorte, du côté de la sortie adverse. Enfin, comme la baguette. Nice. Ok, parfait, on peut faire ça, ça, et bah tant pis, on balance la charpie là-dessus. Moi, on est un peu tranquille. On continue avec la jade dès le prochain tour. Ouais, ouais, mets-moi mes zéros. Osef. C'est tellement free avec le druide et la jade. Et tant mieux d'ailleurs, ça fait plaisir que ce soit free. Allons, Ghostmork. Boum et boum. Ce n'est pas possible. Disparaissez. Ok, le mot de port tentacule. C'est vrai qu'il soigne cette daube, mais on va devoir taper dedans malheureusement, parce qu'il soigne en fait, c'est ingérable sinon. Bon, après on peut encore développer de la jade sereinement. Ça peut le faire. Oh. Je détiens la puissance de l'aile noire. Ouais. Ça prend le trade, on va prendre ce trade exceptionnellement. Ça ne vous appartient ouais, pas du tout. On va les face. Très bien, on aura le nourriture pour avoir encore plus de jade. Donc là, c'est plus dur à passer dans le John Run. Guerrier et prêtre, je trouve. Il a tout clean avec ça. Pas très sympathique le monsieur. On va triple draw. Si on a que de la merde, on mettra le kobold. Hello. Hello. C'est pas olé. Olé olé. Ouais. Allez, on tape quand même correctement. Enfin, je veux dire, le mec il commence un petit peu à transpirer. Enfin, il a beau être un dragon, il transpire quand même du. Dragon, pas dragon, ça transpire quand même du. Je pense. Ouais. 4, 5. On met des vraies patates. Bon. Je pense que les futures extensions d'Arson auront le même format, je ne sais pas. Voilà, easy.
Et l'exaclette, allez voilà, on le termine sans souci. Sans souci. Parfait. First try, tout ça, et on est à 2 sur 10, et on aura une nouvelle quête à faire. Toujours une nouvelle quête à faire, surtout. Et avec Kedavar. Très bien. Allez, on va ouvrir les deux derniers boosters. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont gros, ils sont chauds. On se fire de son intérieur. Et la victoire, tranquille. Eh ben écoutez, c'est fini pour la gratuité pour aujourd'hui.